Bonjour à toutes et à tous, Maryse Vépierre, je suis membre du directoire donc, de la Caisse d'épargne Normandie et je vous souhaite la bienvenue au sein de notre entreprise cet après-midi. Alors quelques mots donc, sur la Caisse d'épargne Normandie. Donc, c'est une entreprise de 1750 collaborateurs, donc une banque complètement normande, installée donc sur 200 agences, hein, et centres d'affaires entreprises et au service de 1 million de clients. Donc l'ensemble du directoire a le plaisir d'accueillir ce soir donc les états généraux de l'investissement social pour une transition écologique et numérique inclusive. Donc un projet porté donc par
le CNAM et également donc par un collectif citoyen, le plus important. Alors il était tout naturel que la Caisse d'Épargne Normandie donc soit aux côtés du CNAM Normandie, aux côtés de Normandie Attractivité et aux côtés aussi de Badgeon en Normandie pour être partenaire de cet événement, parce que nous sommes une banque mutualiste, une banque régionale, très investie dans l'engagement social et sociétal en faveur donc d'un développement pour la Normandie, d'un développement durable pour la Normandie, c'est-à-dire un développement que l'on souhaite à la fois économique et social, et un engagement qui a été d'ailleurs reconnu par le label Bicorp que nous portons désormais. Donc nous allons avoir le plaisir, Christophe Descaux et moi-même, hein, de partager avec vous à l'occasion de deux tables rondes quelques actions engagée très concrètement sur le territoire par la Caisse d'Épargne Normandie. Mais pour découvrir en fait le programme de cet après-midi, je laisse la parole à Sabine Vu qui va vous préciser l'organisation. Merci beaucoup Madame Despierres. On est ravis au nom d'Hashtag le plus important d'être parmi vous aujourd'hui, d'avoir répondu présent à l'appel qu'on a porté, souhaité d'avoir les régions et de découvrir et de donner la parole à ces régions. Donc nous sommes ravis, Mathias Dufour, le président, est présent dans la salle, il prendra la parole en fin des deux tables rondes. Donc on va échanger autour de deux tables rondes pour montrer aujourd'hui, dans ce programme des États généraux, comment la Normandie investit socialement sur ses habitants pour effectivement des actions durables, pour un avenir meilleur en respect de la planète et de la transition écologique et numérique, puisque on est tous à l'ère du numérique, donc comment faire un numérique for good. Donc je propose d'accueillir sur donc la première table ronde Christophe Descaux, Maïlys De Witt, voilà, Sabrina Debé et enfin Michael Dodds. Je vous remercie. Donc, merci à vous d'être parmi nous. Je propose qu'on démarre par donner la parole à Michael Dodds, puisque vous représentez Normandie Attractivité, qui en plus a souhaité être partenaire de cet événement à nos côtés. Mais au final, comment se porte aujourd'hui la Normandie? Qu'est-ce qui se passe dans la région? Est-ce que ces sujets de transition écologique parlent aux Normands au final? Vous qui avez une vision territoriale, puisque le but, si je ne dis pas de bêtises, de Normandie Attractivité, de fédérer les Normands et puis de rayonner aussi à l'international sur l'attractivité de la région. C'est sûr, et je pense que la Normandie a un devoir sociétal de bien réussir la transition écologique et numérique qui s'impose. Et je pense qu'on n'est pas le seul, on est plutôt encouragé par la réponse du monde civil, du monde d'entreprise, du monde des collectivités. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Ah bah c'est parfait. Merci. J'espère que vous m'avez entendu. Nous, je pense qu'en Normandie, les gens sont conscients des challenges qui sont devant nous, qui sont colossales. Mais je pense qu'il y a une vraie envie de réussir les transitions écologiques qui s'imposent. Ça commence avec le GIEC normand. On a deux chercheurs qui participent déjà à la GIEC planétaire, qui nous alertent sur le réchauffement climatique et les dangers, tout ça, et comment c'est nécessaire pour tout le monde d'essayer d'atténuer son impact. Et il y a toute une pédagogie qui a été déclinée sur la thématique d'un GIEC normand pour sensibiliser les entreprises, les collectivités sur comment faire. Et je suis très encouragé de voir la réponse à cet effort de sensibilisation qui est en cours. Je pense que la prise de conscience elle est très importante ces derniers mois sur le sujet. Et ça avance. Je pense que sur le Normandie également, la France se questionne beaucoup via la thématique de l'énergie.
Elle a une vraie ambition d'être pionnier dans le mix énergétique sur le nucléaire, sur le photovoltaïque, sur l'éolienne offshore et sur les projets ambitieux d'hydrogène. On a vraiment envie de réussir cette transition et avoir une énergie décarbonisée et modèle ici en Normandie. Et puis derrière tout ça, il y a un enjeu également de montrer qu'on peut concilier l'industrie, une industrie propre avec l'énergie propre également, et la qualité de vie ici en Normandie, où il y a une qualité d'environnement indéniable, qu'on protège et qu'on a envie également de valoriser. Parce que je pense que beaucoup de gens en ce moment, post-Covid, ont envie de peut-être s'échapper des contraintes des grandes villes et d'avoir une maison en verre et profiter d'un bel environnement. Donc on avance dans ce sens ici en Normandie. Il y a un mouvement, je pense, inofficiel et officiel sur la question. La région est très engagée. Il y a des dispositifs d'aide financière importantes pour aider les entreprises à bénéficier du conseil, d'investir dans cette direction à la fois pour la transition écologique et numérique. Et c'est chouette qu'à tous les différents niveaux, les entreprises de taille intermédiaire sont regroupées maintenant et travaillent sur ce thème. Les grandes entreprises travaillent sur ce thème. Il y a même une association Normandie Entreprises, Objectif Développement Durable 2030, qui a été créé et qui a réussi à mobiliser l'ensemble du syndicat patronal. Tout ça, c'est un peu discret en ce moment. Les Normands sont peut-être un peu discrets, mais c'est de bon augure tout ça. Je pense qu'il y a vraiment un engagement de réussir la transition écologique qui s'impose ici en Normandie. Oui, merci Monsieur Dobbs pour cet éclairage régional. Je pense qu'on va donner la parole à Monsieur Deco. L'objectif aujourd'hui, c'est de mettre la transition écologique au centre du développement économique de la région. Donc on sent que les Normands sont à l'écoute, qu'il y a plein de choses qui se passent et qui sont peut-être un peu timides du point de vue de Normandie Attractivité, qui ne voient pas ça aussi massivement, mais je pense que vous avez peut-être un autre éclairage vous de votre côté. Donc aujourd'hui, vous représentez la Caisse d'Épargne Normandie et vous êtes président de KeyY, qui est une merveilleuse plateforme qui permet aux citoyens de s'engager et de participer au financement de produits verts. Oui, tout à fait, qu'on a monté avec la région d'ailleurs. Alors moi, je serais plus positif que ça. Je pense qu'il faut, et ça me paraît essentiel, il faut positiver cette transition. On ne peut pas, c'est un défi considérable. C'est un défi considérable pour l'économie, pour la société, pour nos régions, pour nos territoires. Et on ne peut pas dire à tout le monde, on va rentrer dans un tunnel qui va être douloureux. Il y a une lumière au bout, mais on n'est pas sûr de tout sortir. Mais il faut quand même faire cette transformation et rentrer avec nous. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça qu'on peut transformer. Moi, je pense que la transition, il faut la voir de façon très positive. On a effectivement ce défi de la décarbonation. Le fait d'avoir des processus de production qui soient plus locaux, plus circulaires. Le fait d'avoir des bâtiments qui soient plus efficaces énergétiquement. Le fait d'évidemment transformer l'énergie, de transformer la mobilité. Et je pense que ce type de défi, ça arrive qu'une fois par génération. Donc on a la chance de pouvoir le vivre. Alors évidemment, c'est beaucoup de responsabilités, mais il faut le vivre et le vivre de façon collective. Et j'ai une approche, moi, en tout cas, je me dis, il faut qu'on ait cette approche positive. Sinon, que fait-on quoi ? On est juste décroissant et puis on attend que, finalement, que quoi d'ailleurs ? On attend que ça se décarbone en consommant moins. C'est un programme, il faut probablement le faire, mais ce ne sera pas suffisant. Donc soyons positifs. Et c'est pour ça qu'on a lancé KeyY. C'est en se disant, il faut qu'on mette en avant tous ces beaux projets dont a parlé Michael, tous ces beaux projets du territoire, toute cette énergie qu'il y a de tous les acteurs, et qu'on les associe en se disant, vous pouvez tous contribuer. Pour changer, et c'est toujours comme ça, pour changer, il faut qu'il y ait un alignement. Qu'il y ait un alignement entre les pouvoirs publics, la région, les collectivités, l'État, la régulation. Il y a beaucoup de choses qui avancent. La taxonomie européenne, par exemple, avance beaucoup. Donc, les pouvoirs publics, les acteurs économiques, les investisseurs, et puis le citoyen. Alors, citoyen qui est à la fois consommateur, épargnant, et puis citoyen en tant que tel, donc qui vote. Et si on arrive à aligner les trois sphères, eh bien, on arrive à transformer.
on arrive à transformer l'économie, on arrive à transformer la société. Alors, à notre petite échelle, hein, c'est très modeste, Kiwai, ça tente d'associer ces trois sphères qui ne se parlent pas toujours, qui ne se rencontrent pas toujours, et pour autant qui doivent influer conjointement sur l'économie, sur la société. Kiwai, ça fait quoi? C'est une plateforme de financement participatif qui permet très simplement de financer des projets de développement durable et de les financer avec la garantie, un, que ce soit des projets positifs pour l'environnement, et deux, qu'ils soient 100% locaux, donc en région Normandie, et trois, qu'ils soient garantis capital et intérêt par la Caisse d'épargne, et donc permettre à l'épargnant qui finance directement le projet de ne pas prendre de risques sur son épargne, mais de rendre son épargne utile, utile à la transition, et qui facilite justement ce défi de transition. Très bien. Et aujourd'hui, cette belle initiative qui est Kiwai va rester normande, où on aura la chance, puisqu'on intervient aussi pour les États généraux, de voir cette initiative aussi se délocaliser et attirer d'autres territoires. Alors aujourd'hui, Kiwai a été créé, comme je le disais, avec la région Normandie, à l'initiative de la Caisse d'épargne et de l'Agence de développement, et en particulier du président Hervé Morin, qui nous a demandé de développer à l'origine une plateforme pour faciliter le développement durable en Normandie. On a eu de beaux projets, des projets d'énergie renouvelable, je pense qu'on y reviendra, qui sont pour le coup des projets majeurs pour le territoire, des plus petits projets, des projets plus symboliques quelque part, en économie circulaire, en l'épicerie en vrac, des projets de mobilité aussi, de mobilité douce. On en a eu pas mal en Normandie et on a une demande pour ouvrir cette plateforme sur d'autres régions. On a déjà ouvert un espace qui s'appelle Kiwai ENR comme énergie renouvelable, qui permet de financer des projets d'énergie renouvelable sur toutes les autres régions françaises et des projets de mobilité douce, notamment sur l'électrification de la mobilité ou sur l'hydrogène. Donc on a déjà ouvert en Hauts-de-France et on va ouvrir au fur et à mesure en fonction de l'appétence des porteurs de projets sur d'autres marchés. Ce qu'il faut bien comprendre sur Kiwai, peut-être c'est important de le souligner, c'est que le financement participatif, ce n'est pas une innovation qui est très récente, ça a une dizaine d'années. Donc c'est déjà assez mature comme innovation technologique. Par contre, l'innovation, elle est plutôt sur le fait d'aligner une grande collectivité, des acteurs économiques et des citoyens épargnants. Et surtout, de faire jouer un rôle à l'épargne, qui me paraît essentiel, qui est de se dire, je veux que mon épargne, elle soit utile au territoire, elle soit utile à la transition environnementale et sans risque au final, puisqu'elle est garantie par la Caisse d'épargne. Donc c'est ça vraiment l'innovation. L'innovation, elle n'est pas tellement technologique, elle est plutôt le fait de mettre ensemble, d'avoir une équipe soudée quelque part, une équipe normande pour la transition. Très bien. Et je propose qu'on regarde un témoignage justement d'une entreprise qui a été financée sur la plateforme grâce à la plateforme Kiwai. Notre site, c'est le Marovolaï, c'est la boutique de le Marovolaï. C'est quelque chose qu'on a commencé il y a 25 ans. On a commencé à vendre les volailles sur les marchés de la région. Il y a 12 ans, on est arrivé sur Bernay avec notre labo pour fabriquer tous nos produits sur place, de pouvoir faire de l'export, de pouvoir faire le vente en gros, fournir un gis donc, toutes les semaines. Et l'année dernière, pendant le Covid, on a décidé donc de créer une boutique usine. Dans la Bernay, qui est ouvert de jeudi au samedi, pour vraiment mettre en avant tous nos produits et de pouvoir aussi recevoir nos clients en vente en gros. On est à 100% Made in France, tous nos producteurs, on est en contact direct avec eux, avec des cahiers des charges stricts et une qualité stricte à la sortie. On a aussi pour notre vente en gros, ce qui est la maison maréchale, qu'on utilise pour tout ce qui est vente en gros sur Rungis, dans les grandes boutiques un peu partout en France et en Europe. Et aujourd'hui, avec nos marchés, on n'est pas que sur le Normandie, on est aussi beaucoup implanté sur la région parisienne.
Nos projets maintenant, c'est d'économiser au maximum sur tout ce qui est emballage, tout ce qui est en allant vers, plutôt vers le verre, des choses de bien-être, et forcément la logique qui est de passer par la photovoltaïque pour produire notre électricité. Alors, on est parti sur 2 × 100 kW sur les deux bâtiments, dont il y a 100 kg sur ce bâtiment-là et 100 kg sur le côté labo de production. Sur le labo de production, on va consommer du haute consommation avec revente d'excédent. Et sur ce bâtiment-là, qu'on consomme un peu moins d'énergie, ce serait en revente directe de tout ce qu'on va produire. Et dans un deuxième temps, dans 6 mois, on a l'idée de rajouter encore 100 kg de supplémentaires. Alors, c'était grâce au projet qu'on a présenté à la Caisse d'épargne avec Madame Coste, qui nous a présenté à Kiwai, que je ne connaissais pas. Et vous avez été très réactive en venant m'expliquer exactement ce que c'était. Et je pense que ça correspond à réellement de demande qu'on est en train de faire dans la direction qu'on veut aller, et d'aussi aider, d'être ouvert aux gens de pouvoir investir dans nos projets en même temps. Un très beau projet qui a donc récolté 100 000 euros, si je ne dis pas de bêtises, sur la plateforme. Donc 48 mois pour la durée, 84 mois pardon, pour la durée du prêt. Et un investissement pour les citoyens qui allait entre 20 et 1000 euros. Donc au final, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde pour les particuliers, hein, clients ou pas de la Caisse d'épargne d'ailleurs, c'est important de le souligner. Et côté porteur de projet, c'est aussi ouvert à tout le monde. L'important, c'est que le projet ait un impact. Donc on peut faire des projets entre le plus petit qu'on ait fait, je crois que c'est 20 000 euros, et le plus gros, c'est 750 000 euros. Et ça peut monter jusqu'à 1 million d'euros. Donc le financement participatif n'est qu'une partie du financement, puisqu'on fait aussi du financement bancaire, ce qui permet d'avoir un coût moyen pondéré du coût de la dette qui est tout à fait acceptable. Donc voilà, c'est une belle initiative de la région et de la Caisse d'épargne, et elle est à disposition à la fois des porteurs de projets et des citoyens. Donc très bien, effectivement tout le monde peut avoir accès, et je pense qu'on peut donner justement la parole à EDF, et puis donc Sabrina Debé, qui représente EDF aujourd'hui et qui est chargée de mission RSE. Merci d'être parmi nous. Alors, on sait qu'aujourd'hui, la réalité territoriale en Normandie, c'est plus de 600 kilomètres de côte. Donc, comment exploiter aujourd'hui cette richesse naturelle? Et je pense que vous avez un très beau projet qui a été lancé à Fécamp. Je vais vous laisser la parole. Oui, alors je vais vous présenter en fait le parc éolien en mer de Fécamp. Alors juste pour resituer le contexte, la France en fait a décidé d'augmenter sa part d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'électricité à 32% à fin 2030. Et donc c'est dans ce contexte en fait que la décision a été prise de mettre en service 7 parcs éoliens en mer entre 2022 et 2030, dont 4 en Normandie. Et Fécamp, en fait, sera le premier parc éolien en mer donc, qui sera mis en service l'année prochaine en Normandie, et le troisième en France. Alors, je dis d'ailleurs que, on en a parlé tout à l'heure avec Christophe, le parc éolien en mer de Fécamp a bénéficié donc du financement participatif de Kiwai, et ça a été un franc succès, puisque je crois qu'en 24 jours, on a obtenu les 750 000 euros de financement participatif. Alors, en dehors, ce parc éolien en mer, c'est quoi? C'est 71 éoliennes qui vont en fait produire une puissance de 500 MW, ce qui représente environ une consommation de 60% de la consommation d'électricité des habitants de la Seine-Maritime. Et au-delà du projet, d'énergie décarbonée qu'il représente, c'est aussi, surtout, en fait, la création d'une filière industrielle vraiment créatrice d'emplois en Normandie. Pour la construction du parc éolien en mer de Fécamp, c'est 1400 emplois, donc pour les fondations gravitaires, pour les nacelles, les pales. Et quand le parc sera mis en service, donc en 2023, on aura une centaine d'emplois pérennes et locaux à Fécamp. Donc le projet, il a commencé en 2007. Dès le départ, en fait, EDF Renouvelables hein, et ses partenaires qui portent ce projet se sont rapprochés vraiment des acteurs à la fois locaux de l'emploi,
de la formation, de l'insertion, pour que en fait, ce projet maximise les retombées sur le territoire. On a donc travaillé pour ce qui est de l'emploi avec les pôles emploi, les missions locales, pour la formation avec le campus de l'excellence internationale des énergies en Normandie. On a travaillé aussi avec des lycées, notamment par exemple le lycée Guy de Maupassant à Fécamp, où on a financé un MA pour que les étudiants puissent travailler voilà, en grandeur réelle. Côté recrutement, en fait, on a essayé de présenter les métiers qui recrutaient dans des instances locales. Je pense aux assises de la transition énergétique à Cosen Emploi, à Cosen Aglo, pardon, qui se sont déroulées fin 2021. Et concernant l'insertion, dès le départ aussi, il a été question qu'il y aurait des heures en fait, de travail pour des personnes éloignées de l'emploi. Et à ce jour, en fait, c'est 280 000 heures, donc à peu près 170 temps plein pour l'ensemble de la construction en fait, qui ont été donc, réalisées en insertion. On a travaillé avec des entreprises de travail temporaire spécialisées dans l'insertion. Je pense à Humendo, qui est la filiale d'Adeco. Je pense à ID Insertion, qui est située à Lillebonne, donc toujours vraiment en proximité. Ou encore des entreprises adaptées comme Céane, qui a gagné le contrat, par exemple, de nettoyage de la base de vie du chantier Bouygues pour les fondations gravitaires. Donc voilà, un projet à la fois économique, social et écologique. Bah, effectivement, une très belle réussite et je crois que ça fait partie bah, justement des projets portés en partenariat avec EY et je ne sais pas si... Oui, bah, vous l'avez dit, c'était vraiment un très beau projet parce qu'en fait, c'était le plus gros qu'on a fait à ce jour d'ailleurs. Et c'était... un des plus gros qui arrivait en fait au moment où on se développait. Et en fait, il y a eu un vrai engouement autour de ce projet. On a fait des animations dans notre agence à Fécamp. La maire de Fécamp a témoigné pour le projet. Il y a eu une couverture médiatique. Il y a même eu des micro-trottoirs. Pour la petite histoire, il y a eu France 3 a fait des micro-trottoirs. Et donc, on se demandait un peu ce qu'allaient dire les citoyens sur la campagne et sur le projet. Et en fait, c'était hyper positif. C'était hyper positif parce que le projet a été, je pense, aussi bien anticipé avec les collectivités locales, la localité, les citoyens, bien expliqué. Et bah, finalement, il y a 500 Normands qui sont associés à ce projet dans le financement participatif. Et surtout, il y a eu un très bel écho positif dans les médias locaux. Donc, c'est vraiment positif, en tout cas, du point de vue de Kiwai et j'espère du point de vue de DEF aussi. Ça l'est. Effectivement, une très belle success story et c'était intéressant aussi de montrer bah, un projet beaucoup plus gros que pouvait porter aussi Kiwai. Voilà, donc merci. Je propose que vous me présentiez un autre projet que j'ai trouvé très intéressant qui était justement, bah, aujourd'hui, vous l'avez bien dit, ce parc va alimenter plus de la moitié de la consommation en Seine-Maritime. Donc maintenant, comment inclure les citoyens dans cette transition? Pouvez-vous nous parler du projet social, justement, de la ressourcerie des compétences de Fécamp, si je ne dis pas de bêtises? Oui, on reste à Fécamp. Alors, c'est un projet, c'est un petit projet, mais qui est un super projet. En fait, en 2017, le Centre d'action sociale de Fécamp a décidé avec les habitants du quartier Ramponneau, qui est un quartier politique de la ville, d'ouvrir une recyclerie qui s'appelle Ma Petite Procyclerie. Et en fait, ce sont les habitants du quartier donc, qui sont tous bénévoles et qui sont des personnes très éloignées de l'emploi qui tiennent cette ressourcerie. Et très rapidement, en fait, le Greta du Havre a vu dans cette structure le potentiel d'insertion parce que les gens en fait, qui travaillent dans cette ressourcerie, ils développent des compétences. Et donc l'objectif, ça a été de se dire, on va pouvoir, grâce aux compétences développées, en fait, capitaliser là-dessus et raccrocher en fait toutes ces personnes à des processus de professionnalisation ou d'insertion. Et du coup, nous, ça nous a tout de suite plu en fait côté EDF et on s'est engagé avec plusieurs entités du groupe et plusieurs filiales, donc toujours en proximité du territoire aussi de Fécamp, donc EDF Renouvelable. On s'est engagé avec la CRAM, qui est une filiale qui s'occupe d'efficacité énergétique dont le siège social est basé au Havre. On s'est engagé avec le CNPE de Paluel, donc le centre de production nucléaire. Et ce qu'on va faire tous ensemble, c'est qu'on va proposer des visites de nos sites. Donc on va aller avec les bénévoles visiter la centrale de Paluel. On
va aller visiter le centre de relations clients de la CRAM. On va présenter tous nos métiers. L'idée, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Et en fait, de se dire qu'on va présenter aussi les possibilités de l'alternance, les possibilités de stage. On va faire des ateliers sur la posture en entreprise. Et de se dire que bah voilà, ces personnes en fait, vont peut-être découvrir des métiers de l'énergie et qui sont accessibles pour eux, qui le seront grâce en fait, aux formations que le GRETA pourra donner en complément et voilà, qui vont ouvrir le champ des possibles pour des gens très éloignés de l'emploi. Et on espère évidemment que ça va distiller sur tout le quartier et pas que sur les bénévoles, c'est un peu l'idée, quoi. Voilà, parce qu'on a aussi nous besoin de recrutement, de recruter des gens. Donc voilà, on trouve que c'est un très beau projet. Donc effectivement, tous ces projets mettent en lumière la transition écologique et comment aujourd'hui la transition énergétique aussi se met en place avec des grands acteurs comme EDF, avec la participation de la Caisse d'épargne et de Kiwai, et comment vous embarquez finalement tous les citoyens autour à cette transition et à découvrir finalement le monde de demain que vous êtes en train de mettre en place pour qu'il n'y ait pas de décrochage aussi vis-à-vis de la région. Donc c'est effectivement de très belles initiatives et je vous remercie pour ces témoignages et j'espère que ça inspirera d'autres qui nous écoutent dans d'autres régions à faire se rapprocher de vous et puis à peut-être lancer aussi des projets sur tout ce qui est énergie renouvelable puisque Kiwai ENR est ouvert à toute la France, si j'ai bien compris. On va donner la parole à Maïlis de WIT. Alors merci Maïlis d'être avec nous et vous représentez Binapi, je suis ravie. Vous faites partie de ces nouvelles entrepreneuses qui œuvrent sur la transition écologique avec, si je comprends bien, un sujet de départ qui était vous aviez envie de réduire les déchets. C'est ça. En tout cas, on avait envie de les dévier de l'incinération. On travaille sur le déchet alimentaire de notre côté. On est une entreprise donc de valorisation de déchets. On installe des solutions de tri sur mesure dans les établissements professionnels pour permettre à nos clients de les trier à la source pour que ceux-ci soient donc valorisés en compostage ou en biogaz par méthanisation. Donc les réduire bien évidemment parce qu'on se positionne dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, ça va de pair. Donc l'idée c'est que chaque collecte est pesée, tous nos clients savent exactement les quantités jetées, donc peuvent ensuite prendre des mesures pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc tout ça est aussi accéléré grâce, ou en tout cas avec la loi transition énergétique, qui stipule qu'aujourd'hui, tous les déchets devraient être triés à la source avant le 1er janvier 2025. 24. Donc, 24, voilà. Donc 31 ouais. Janvier. Depuis 2016, les gros producteurs ont l'obligation de trier. Donc gros producteurs, c'est ceux qui produisent 10 tonnes par an. 10 tonnes par an, c'est, pour vous donner une idée, c'est un restaurant de 200 couverts ou une cantine collective de 400 couverts. Ça reste des ratios, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. En 2023, ce seuil passe à 5 tonnes au 1er janvier 2023. Et au 1er janvier 2024, le seuil est aboli et le tri à la source devient obligatoire pour tous les professionnels. Et les collectivités devront proposer des solutions aux particuliers. On a un bel avenir devant nous. Effectivement. Merci d'être là pour nos déchets et puis de les rendre rapides, si je comprends bien. Exactement, ouais. Notre objectif, c'était aussi, comme vous le dites, on travaille dans le déchet. C'est pas évident aujourd'hui, le déchet a pas bonne presse, si je puis dire. Donc nous, notre effort est aussi vraiment basé sur la ressource, en fait. Faire vraiment comprendre aux gens qu'on est vraiment sur une ressource. Le déchet alimentaire, il faut savoir qu'il est composé à 80% d'eau. Il est valorisable et aujourd'hui, on va l'incinérer. Donc, on va utiliser une quantité astronomique d'énergie pour brûler un déchet qui est fait quasiment que d'eau, en fait. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner et de sensibiliser les gens sur la réduction du gaspillage alimentaire, parce que dans nos pays très industrialisés, le gaspillage, il est monstrueux, premièrement. Et deuxièmement, montrer que vraiment, on a de l'or dans nos poubelles. Enfin, notre baseline, c'est il y a de l'énergie dans vos poubelles. C'est une réalité, en fait. C'est pas simplement marketing, c'est vraiment une réalité. Alors, justement, qu'est-ce que vous faites avec ces déchets ?
Alors, avec ces déchets-là, nous, donc, on a un partenariat avec un agriculteur qui a développé une unité de méthanisation dans le cadre de son activité agricole. Lui, il méthanise ses fumiers et ses lisiers. Ainsi que ses déchets de céréales. Et il a ouvert ses portes à d'autres gisements comme le nôtre. Donc nous, on collecte, on ramène ça sur notre site où on massifie pour maîtriser le coût logistique et les transports. Et on envoie tout ça ensuite sur l'unité de méthanisation, là où la magie opère. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de méthanisation, de biochimie, mais la méthanisation, c'est le processus naturel de dégradation de la matière. Donc en fait, c'est la dégradation de la matière organique par des bactéries qui produit du biogaz. D'accord. Et aujourd'hui, pour une société, est-ce un projet finalement difficile à implémenter? Est-ce que c'est une solution économiquement viable aussi? Parce qu'on rajoute peut-être des frais aux entreprises qui sont en difficulté en cette phase de période de crise sanitaire? En effet, il faut savoir malgré tout que notre objectif, c'est de dévier de l'incinération. Aujourd'hui, on est vraiment... l'État a pris quand même conscience, malgré tout, même si ce n'est pas suffisant, de cette urgence. Et aujourd'hui, les taxes de l'incinération et de l'enfouissement, donc des outils aujourd'hui les plus utilisés, vont grimper exponentiellement. Donc aujourd'hui, en termes de coûts, la méthanisation a toute sa place et elle est même aujourd'hui complètement concurrentielle avec de l'incinération. Donc ça, c'est la première chose. Donc oui, il y a un coût, c'est évident, il y a un service derrière, il y a un coût de traitement. Après, je pense que malheureusement aussi, notre génération est en général, il faut qu'on prenne conscience aussi que quand on produit un déchet, on en est responsable et on en est responsable jusqu'au bout. C'est trop facile de consommer, d'acheter, de consommer, de ne pas se préoccuper de savoir d'où vient ce qu'on consomme et ensuite de jeter sans savoir qui va s'en occuper. Il y a forcément quelque part derrière, il y a forcément un coût, il y a forcément des emplois. Donc c'est évident que ça a un coût. Donc ça, c'est pareil, on essaye de faire rentrer aussi dans les mœurs, dans les têtes, que bien évidemment le déchet a un coût. En général, jusqu'à aujourd'hui, pour beaucoup, le déchet, c'est vraiment ce qui est en fin de ligne du budget. Vraiment, c'est, on s'en préoccupe peu, on s'en préoccupe pas. Mais de plus en plus, voilà, on essaye de montrer que c'est une ressource, que ça a un coût, mais que bien maîtrisé, finalement, ça peut, c'est un coût qui peut être bien maîtrisé. Et donc, on peut le réduire. Très bien. Peut-être qu'on va parler de Normandie for Good. Est-ce que tout le monde connaît cette belle initiative normande qui a été lancée en fin d'année dernière, qui était donc la première édition de Normandie for Good? Et je crois qu'en plus, on a la chance d'avoir une lauréate avec nous. En effet, en tant qu'entrepreneuse, j'ai beaucoup d'idées en tête. Je suis plutôt développeuse que gestionnaire et étant sur un territoire maritime, on a été sollicité à plusieurs reprises sur un déchet vraiment de territoire qui est la coquille Saint-Jacques, parce qu'il faut savoir que la Normandie est la première région de pêche coquillère en France. Elle représente à elle seule plus de 60% des captures. Et ce déchet coquillier est assez particulier parce que si vous êtes friand de coquille Saint-Jacques et que vous allez l'acheter sur les ports de pêche, vous pouvez voir que les pêcheurs retirent la noix, mais que dans la coquille, il reste beaucoup de chair animale. Il reste ce qu'on appelle la barbe. Et donc, cette coquille devient très compliquée à gérer parce qu'elle est considérée comme un sous-produit animal du fait de la présence de chair animale. Et donc, la coquille, elle, est faite en 99% en carbonate de calcium. Donc, elle est ni traitée finalement comme du calcaire, comme du caillou, mais elle n'est pas traitée non plus comme de la chair, enfin comme un produit animal, puisqu'on ne peut pas brûler du calcaire. Donc, ça en fait un déchet complexe. Aujourd'hui, on ne sait pas quoi en faire sur notre territoire. Il n'y a pas de solution qui existe. Il y a des petites solutions comme ça, très locales, avec un agriculteur qui va le mettre dans ses champs, avec une collectivité qui va remblayer les chemins. Mais voilà, il n'y a rien de mis en place. Et pour autant, les tonnages sont conséquents. Ça devient un problème de territoire parce que
On s'en débarrasse un petit peu comme on peut. Sur certains territoires, il est jeté sur les plages. Sur d'autres territoires, il est rejeté en mer, donc il étouffe les fonds marins. Voilà, on est sur un vide de solutions. Donc ça engendre forcément des nuisances olfactives, parce qu'on est sur un déchet marin, donc voilà, ça sent pas bon quand c'est laissé comme ça à l'abandon. On est sur un problème écologique, parce que justement, il y a des jus, c'est rejeté dans les fonds marins. Donc on nous a sollicité et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il fallait qu'on y réfléchisse. Donc on s'est creusé les méninges et on est en train de développer donc un process d'inertage, si je puis dire, qui va permettre de séparer la coquille en calcaire de la chair animale pour pouvoir envoyer la coquille en valorisation et la chair animale en valorisation. Et ce projet-là, on le porte, c'est un projet innovant parce qu'on développe une machine. Et c'est un projet, du coup, qui a besoin de visibilité. Donc, quand on a vu le concours Normandie for Good, on s'est dit que ça valait le coup, qu'on tente notre chance et qu'on dépose un dossier, ce qu'on a fait. À ma grande surprise, on a été lauréat. Donc c'est génial parce que ça nous a apporté une visibilité de dingue, vraiment. Parce que les partenaires ont vraiment joué le jeu et on a vraiment eu une super visibilité. Et au-delà de tout ça, ça apporte une reconnaissance. Parce qu'on se dit que notre projet est pris au sérieux, qu'il y a quand même, enfin voilà, il y a quelque chose derrière. On ne travaille pas pour rien. Et ça, c'est aussi, c'est vraiment très encourageant pour des entrepreneurs qui essayent d'œuvrer pour le mieux, qui essayent de trouver des solutions. Donc voilà, c'est génial. Peut-être Michael Dobbs a envie de compléter sur tout ce qu'on vient d'entendre et Normandie for Good. Je suis ravi de participer, membre du jury, et puis vous voyez, on était tous frappés par l'idée de valoriser un produit identitaire de la Normandie et en même temps illustrer un vrai engagement pour la transition écologique et la valorisation des produits et des déchets. Donc ça coche toutes les cases, mais plus que ça, ça a créé tout de suite un enthousiasme au sein de la jury. Donc c'est chouette. Et puis c'est chouette qu'on a une vraie palette. C'était la première édition, mais je pense qu'il y a beaucoup de projets plus que louables dans tout ça. Et on a hâte maintenant pour la deuxième édition. Oui, ben l'appel est lancé, Michael. Pour la deuxième édition, on fera ça en fin d'année. Effectivement, juste un mot, ce que je trouve vraiment super dans ce premier prix Normandie for Good, c'est qu'encore une fois, ça valorise des belles initiatives. Alors la coquille, effectivement, c'est un côté identitaire normand, donc il est tout de suite ressorti. Et puis le recyclage, ça coche vraiment la case de ce qu'on doit faire aujourd'hui, quoi. Enfin demain, mais dès aujourd'hui. Donc ça cochait beaucoup de cases, donc ça fait assez vite l'unanimité. Mais vraiment, l'intérêt, je pense, c'est d'accompagner ces porteurs de projets créatifs qui vont changer le monde de demain et les mettre en avant et leur donner aussi des clés de lecture, d'accompagnement avec le mot. Parce qu'on a travaillé avec le MOT sur ce prix, pour à Caen, donc le MOT, pour donner aux entrepreneurs à impact les mêmes clés de lecture, les mêmes atouts qu'un entrepreneur tech classique. Sabine, le MOT, c'est notre tiers lieu innovant qui crée des conditions pour faire fusionner, collider des bonnes idées, des initiatives, des défenses entrepreneurs. Donc c'est un superbe travail de revalorisation d'une ancienne usine Renault à Caen. Et voilà, ça vaut le détour également. Très bien, merci. Est-ce qu'on a des questions peut-être dans la salle de personnes qui souhaitent intervenir, compléter, partager un retour d'expérience aussi, hein, c'est l'occasion. Si vous avez peut-être envie de mettre en avant votre histoire, un parcours, un projet. Ah, Mathias Badufour, président d'Hashtag le plus important. Merci.
Donc d'abord bravo à tous parce que je trouve que les projets que vous avez présentés sont vraiment super. Et j'avais une petite question sur Normandie for Good qui a l'air d'être une magnifique initiative. Je voulais savoir dans le for good, qu'est-ce que vous mettez et en particulier quels sont les critères, s'il y a des critères sur l'aspect développement de compétences, employabilité. Voilà, parce que souvent on entend le for good au sens environnemental. Mais parfois, en le séparant du côté social, entre guillemets, et je voulais savoir s'il y avait des critères là-dessus. Sur le prix Normandie for Good, on avait deux axes d'analyse des dossiers. On avait un premier axe sur l'impact environnemental, que vous avez souligné, qui est bien compris, qu'on a mis en avant là. Et puis, on avait un deuxième axe qui nous tient aussi à cœur en Caisse d'Épargne, qui est l'innovation sociale. On a depuis très longtemps, dans notre ADN, le fait d'accompagner toutes les clientèles et en particulier les clientèles fragiles. Et on voulait, au-delà d'un modèle de mécénat, mettre en avant des entrepreneurs sociaux, des innovateurs sociaux. Et encore une fois, leur donner aussi des clés de progression qui soient aussi fortes qu'en entrepreneur classique. Donc c'est un peu les deux axes qu'on essaie de développer. Et voilà, donc on a eu des lauréats plutôt côté innovation, plutôt que côté environnemental ou plutôt côté impact social. Très bien, peut-être une autre question dans la salle. Peut-être sur Teams. Donc, je pense que c'est clos, s'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie, Monsieur Descos, d'avoir pris le temps de venir nous présenter Kiwai et de très bons exemples et de très beaux exemples de mise en place pour montrer effectivement que cette transition écologique et énergétique est à la portée, en tout cas de tous, à partir du moment où on souhaite découvrir ce type de plateforme et démarrer et inspirer. Parce que j'apprends. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein, bien sûr. Ce qui est important, c'est que chacun peut contribuer. C'est avec cette initiative, mais ou avec d'autres, chacun à son niveau peut contribuer, doit contribuer. Et donc, merci surtout à vous d'être venu témoigner. Merci, merci Maëlys de Witt pour avoir présenté Binapi, qui pour moi est une solution qui ne doit pas rester que normande. Hein, donc, j'espère que justement. L'attractivité de la région va attirer Maëlys vers d'autres horizons. Effectivement, merci Sabrina Debay pour EDF d'avoir présenté aussi le parc éolien de Fécamp et puis le projet de ressourcerie. Et puis je suis donc ravie de terminer cette première table ronde. Donc je propose qu'on vous remercie, on applaudisse, merci. Merci beaucoup. Et donc, je vais appeler sur scène donc la deuxième table ronde. Alors, Maryse Vépierre, Bastien Mestralet, Arnaud Muller, que je vois bien, et Michel Ledoux, qui va donc remplacer François Brière du CNAM, qui malheureusement a un empêchement. Donc merci à vous d'être à nos côtés. Et donc cette deuxième table ronde aura pour objectif de mettre le numérique au service du développement de l'employabilité de la région Normandie. Et donc on va peut-être donner la parole à une association, on va peut-être commencer par une association. FACE Normandie est un club d'entreprise engagé contre l'exclusion, les discriminations et la pauvreté au sens large, j'ai bien compris. Et donc, je vous propose... Un, deux, c'est même la définition exacte. Parfait. Donc, merci Bastien Mestralet d'être parmi nous. Je vous propose de nous en dire un petit peu plus sur FACE Normandie, puisque je pense que certains connaissent FACE au national. Donc, que fait FACE Normandie et comment aujourd'hui le club accompagne les entreprises normandes justement dans tous ces sujets pour l'investissement social.
Alors, c'est vrai que vous avez déjà dit le cœur du réacteur. Fast Normandie, c'est une association normande qui est rattachée à un réseau d'associations partout en France. Et puis, notre objet, c'est de faciliter l'implication du monde économique sur des questions d'action sociale, donc principalement sur les questions de retour à l'emploi, d'orientation, d'éducation et puis de lutte contre la précarité. Dans l'écosystème de FAS Normandie et du réseau FAS d'une manière générale, on retrouve vraiment toute taille et tout secteur, c'est ce qui fait c'est ce qui fait sa spécificité. Et en fait, chaque entreprise a sa place et a une brique à apporter sur l'action sociale. Et c'est ça qui va faire en sorte que l'action sociale est très forte et territoriale. Donc on va pouvoir avoir des actions qui se déploient avec des grands comptes, des PME, et puis l'action sociale, elle doit être réfléchie de manière positive, c'est-à-dire que elle doit répondre à un besoin d'entreprise, que ce soit un envie d'engagement de son dirigeant, que ce soit un besoin de recrutement, que ce soit une volonté d'attractivité, d'engager ses collaborateurs dans une action positive. Parfois, c'est un mix un petit peu de tous ces objectifs. Et le tout est d'arriver à tisser après entre les besoins de chaque entreprise, les besoins du territoire et de sortir les actions qui vont se transformer positivement pour les publics les plus fragiles. Donc justement, ce club, vous rencontrez plusieurs sociétés qui ont peut-être des réflexions. Donc aujourd'hui, comment se situent les réflexions des entreprises sur le numérique? Comment trouver des ressources en Normandie aujourd'hui? D'abord, sans rentrer dans les détails, comme on travaille sur trois grands champs d'action, on a un fil rouge qui revient à chaque fois, c'est la place du numérique. Et donc, les entreprises ne s'engagent pas de la même manière. Elles s'engagent parfois sur les publics fragiles, sur les retours à l'emploi, l'orientation. Et finalement, le numérique revient à peu près partout. Il y a quatre exemples que je pourrais vous donner sur ce qui se passe en Normandie. Déjà, il y a des entreprises qui vont travailler sur les questions de fracture numérique pour soulager les publics fragiles dans leur quotidien, notamment dans leur accès aux droits, et leur permettre du coup de retourner dans une réflexion de retour à l'emploi facilité parce que leur quotidien est soulagé. Un deuxième exemple, comment est-ce qu'on peut améliorer l'employabilité en Normandie? Eh bien, ce serait en travaillant sur les questions de compétences en numérique. Et là, une autre entreprise s'est engagée en nous mettant à disposition une application de microlearning de qui à tous nos bénéficiaires qui retournent à l'emploi pour leur apporter des briques nécessaires à valoriser dans leurs opérations de retour à l'emploi et les rencontres avec les employeurs potentiels futurs. Alors ensuite, il y a un troisième exemple qui serait plus sur des questions d'orientation. Nous, on travaille sur la sensibilisation des jeunes à tous les secteurs du territoire, les secteurs en tension, les secteurs typiques du territoire. Comment est-ce qu'on fait pour motiver les jeunes et les attirer vers ces secteurs? Et bien, c'est en utilisant tous les outils numériques. C'est des outils qui leur parlent. Et donc, on va travailler avec des vidéos 3D, de la réalité virtuelle. On travaille avec l'agence de l'orientation. On va travailler avec les branches et les filières qui développent des outils numériques qui parlent de tous leurs secteurs d'activité et qui vont nous permettre de sensibiliser les jeunes à tous ces métiers-là, de les accrocher, de leur montrer ce que c'est, de les embarquer avec un outil qu'ils connaissent. Et à travers ça, ça nous permet aussi de détecter des comportements dans le numérique et de leur donner les premières clés de ce que c'est que le savoir-être numérique. On parle du savoir-être en entreprise. Aujourd'hui, le numérique est omniprésent et c'est important aussi de pouvoir, à travers cette sensibilisation des métiers, leur parler de sensibilisation au savoir-être numérique quand ils vont être face à un employeur, quand ils vont utiliser des mails, et ce n'est pas forcément les clés qu'ils ont aujourd'hui. Effectivement, vous déployez donc différents programmes auprès des collégiens et des lycéens, par exemple le programme technique ou le programme Discovery, vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu? Alors oui, c'est deux programmes qui sont très différents. Technique se déploie sur les 5 départements, on touche aujourd'hui plus de 3000 collégiens, et on va sensibiliser à tous les métiers techniques, numériques et industriels, et à la place du numérique dans l'intégralité des métiers qui existent. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique est présent quasiment partout.
Et donc, ça fait partie de ces actions sur lesquelles on va utiliser les outils et les ressources existantes des branches professionnelles qu'on va amener en classe. Là, on est dans une question de l'entreprise qui va en classe avec ces outils pour embarquer les élèves numériquement vers leur métier. Et puis, on a l'action Discovery, où là, on est plus sur des questions d'accompagnement, dont on va toucher moins de jeunes, mais sur plus longtemps, et on va leur permettre de multiplier les allers-retours en entreprise. Et c'est là que, en fil rouge, dans les découvertes métiers, dans les visites d'entreprise, va avoir la place du numérique et du savoir-être numérique dans ce parcours, ce premier parcours d'orientation qui vont suivre. Merci. Et quand on parle de numérique aujourd'hui, on sait que les femmes, malheureusement, ont une place, sont peu nombreuses dans les métiers du numérique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un programme en partenariat aussi avec la Caisse d'Épargne Normandie. Donc, on va peut-être donner la parole à Madame Vépierre pour parler de ce programme qui est le programme Wi-Fi. Pouvez-vous nous en dire plus en tant que responsable du pôle ressources de la Caisse d'Épargne Normandie? Vous êtes très attentive à l'intégration et la diversité et la mixité auprès de vos équipes. Donc, merci de nous parler de Wi-Fi. Oui. Donc, c'est vrai que c'est vrai en interne. Bon, ce qui est vrai aussi, c'est qu'au niveau de la Caisse d'Épargne, et Christophe Descaux l'a dit tout à l'heure, on est vraiment très engagé pour le développement social et sociétal de la Normandie, et notamment en termes d'employabilité. C'est vrai que, bon, on le sait hein, tous, la Normandie souffre quand même d'un déficit de qualification. Hein, on sait aussi que pour développer l'employabilité, notamment dans le numérique, encore faut-il faire connaître ces nouvelles possibilités qu'offre le numérique, et cela avant l'orientation, en fait. Donc ça, c'est un élément important. Et il faut aussi faire connaître cela, je dirais, auprès de tous les milieux sociaux pour éviter l'exclusion. Et c'est ce qui nous a amené, en fait, à initier la création de FACE Normandie en lançant le programme Wi-Fi. C'était en 2019, hein, quand on s'est croisé avec Bastien Mestralet. Donc, FACE Normandie n'existait pas, mais programme Wi-Fi existait déjà. Voilà, on a été un peu en avance de phase. Alors, ce programme, finalement, il s'adresse à des jeunes collégiennes de zones d'éducation prioritaire. Ça veut dire que finalement, il va potentiellement concerner deux facteurs d'exclusion possibles qu'on essaie de traiter hein, à travers ce programme. Une exclusion du numérique par le genre, hein, vous le disiez. Dans les entreprises du numérique, il n'y a que 33% de femmes, 20% des cadres et ingénieurs. Et pire encore, dans les établissements qui forment aujourd'hui au numérique, on ne compte que 15% de jeunes filles. Ça veut dire que demain, en fait, dans le numérique, potentiellement, il y aura moins de femmes encore qu'il n'y en a aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. Le deuxième sujet, le deuxième facteur d'exclusion à côté du genre, c'est le milieu social. En fait, 90% des diplômés, hein, diplômés supérieurs, utilisent l'administration en ligne. Mais chez les non-diplômés, il n'y a que 30% qui utilisent l'administration en ligne. Hein. Donc, on voit que le niveau de qualification ou l'absence hein, de qualification est un facteur d'exclusion du numérique. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé ce programme Wi-Fi, qui finalement vise à faire découvrir les débouchés du numérique, à sensibiliser hein, au numérique, et puis également à découvrir en fait le monde de l'entreprise, les codes de l'entreprise, à développer un réseau avec l'entreprise pour favoriser l'employabilité de ces jeunes filles en fait. Alors aujourd'hui, on a 5 territoires hein, sur lesquels Wi-Fi fonctionne. Donc, on a commencé à Rouen. Les promos, elles comptent une dizaine de collégiennes, en fait. Hein. 15
Voilà, donc 10 au départ, on en est à 15. Alors bon, ce qui est important, c'est d'en avoir 15 au départ et 15 à l'arrivée, hein, parce que c'est aussi un programme de lutte contre le décrochage scolaire, qui est quand même un vrai problème hein, dans certaines zones d'éducation prioritaire. Elle découvre à travers ça, c'est très varié hein, d'ailleurs, hein, ce programme, puisque finalement, elles vont découvrir à travers des conférences, elles vont être sensibilisées aussi bien à la protection des données qu'à l'utilisation des réseaux sociaux, le codage, elles découvrent voilà, hein, ce que c'est que le codage. Elles vont participer à des ateliers hein, avec des entreprises, des ateliers de développement de soi aussi, hein, comment je prends la parole, comment je prends confiance en moi aussi pour aborder finalement des filières métiers que je ne connaissais pas, qui ne m'étaient pas forcément prédestinées, hein, on va dire. Elles ont aussi un bel accompagnement avec des marraines. Donc nous avons 15 marraines. D'autres entreprises nous ont rejointes. On a beaucoup de marraines chez EDF hein, également, qui est partenaire de ce programme Wi-Fi. Très bien, une très belle initiative justement pour l'employabilité de demain, puisque ces jeunes, aussi bien que ce soit des métiers purement du numérique ou l'usage, et comme le disait bien Bastien Mestrallet, la compétence numérique va devenir indispensable à la carrière de toutes ces jeunes filles. Et donc c'est vraiment de très belles initiatives et je vous remercie. Et je crois qu'il y a d'autres personnes de FAS Normandie ou de membres actifs du réseau qui sont dans la salle. Et je vous remercie parce qu'aussi, ça démarre par là et l'éducation engagée fait partie de la suite. On va continuer avec vous, Madame Vépierre. Aujourd'hui, justement, la Caisse d'épargne est aussi dans cette transition numérique interne. Comment vous accompagnez aujourd'hui vos salariés, vos collaborateurs à ne pas être aussi exclus et à avancer à l'ère du numérique et à continuer d'être employable? Oui, alors c'est un sujet évidemment interne, hein, la Caisse également. D'abord, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience que le numérique, bon, je pense qu'aujourd'hui tout le monde en est conscient, mais après il faut aussi mettre en place des actions pour gérer le sujet. Le numérique concerne vraiment tous les métiers. Le numérique, c'est pas simplement un sujet de développeur ou d'informatique spécifiquement. Donc si on regarde l'exemple d'une banque, de la nôtre, mais de beaucoup d'autres banques, on a la même situation. Ça va concerner par exemple les services de sécurité, de gestion des risques, hein, parce qu'il faut des compétences de plus en plus pointues pour faire face aux fraudes, à la protection des données, aux cyberattaques. Évidemment, ça concerne les services marketing, qui ont finalement une richesse de données, notamment sur les clients, qu'il faut savoir exploiter hein, pour mieux connaître les clients, mieux s'adresser à eux et leur proposer des offres de produits et services qui répondent bien aux besoins. Ça concerne aussi tous nos commerciaux en agence parce qu'ils doivent accompagner les clients. De plus en plus d'opérations sont possibles à distance. Hein. Vous pouvez maintenant réaliser des virements sans passer par un conseiller commercial. Mais encore faut-il vous accompagner parfois pour que vous connaissiez cette fonctionnalité, sachiez l'utiliser, etc. Voilà, donc ça touche tous les métiers. Donc on a évidemment un plan de formation interne important. Donc ce plan de formation, il va toucher à la data. Hein. Qu'est-ce que la data? Comment fiabiliser la data? Comment exploiter hein, cette donnée? Il va évidemment concerner également tout ce qui est finalement digitalisation des process,
À l'occasion du Covid, on a digitalisé beaucoup de process. Par exemple, on peut aujourd'hui réaliser le crédit immobilier d'un client complètement à distance, donc signer des documents bancaires à distance, etc. Donc il y a toute une formation des équipes sur le sujet. Et puis, tout le monde doit être formé, évidemment, à la relation à distance. Bon, on le voit ce soir, hein, mais comment utiliser une visio, comment utiliser une animation à distance avec Klaxoon, Teams, etc. Voilà. Donc, ça touche tout le monde, ça touche tous les métiers. Programme de formation interne, mais on a aussi besoin de recruter à l'extérieur, puisqu'il y a des compétences quand même très pointues. Donc, ces dernières années, nous avons recruté, par exemple, des data analystes, nous avons recruté des responsables de pilotage, hein, de données, des responsables de la gestion de relations à distance également, et aussi des développeurs, hein, des informaticiens développeurs. Alors, il y a des métiers plus ou moins difficiles à recruter, hein, mais c'est vrai qu'on a, je pense, beaucoup de choses à faire en Normandie, sur la région, pour référencer déjà les établissements, hein, qui forment au numérique, et puis sans doute pour développer davantage de relations formées par l'apprentissage, accompagner des stagiaires. En tout cas, nous, c'est ce qu'on souhaite faire dans les prochains mois. Très bien, ben merci. Et je pense que la deuxième partie des intervenants vont peut-être répondre aussi à cette demande, puisqu'on a la chance d'avoir le CNAM à côté de nous, et puis la société Clairop qui va aussi se présenter. On va donner la parole à Michel Ledoux. Alors, Michel, effectivement, remplace François Brière qui a eu un empêchement. Et notre président également l'accompagne dans une réunion à Angers. Donc, en tant que conseiller, je le remplace ici. Bon, je voudrais présenter un peu le CNAM parce qu'il est assez peu connu dans sa structure, même si beaucoup de gens connaissent le nom, je crois qu'il faudrait le présenter. On peut faire l'histoire, on peut commencer par expliquer qu'il a été créé en 1794 par l'abbé Grégoire, qui était un conventionnel. Bon, c'est intéressant parce qu'à l'époque, ça a été créé pour éclairer l'ignorance qui ne se connaît pas et la pauvreté qui n'a pas les moyens de connaître. On voit que donc le rôle social, oui, le rôle social du CNAM était déjà là, et dans la suite, dans tout le déroulement, cette tradition ne s'est pas démentie. Bon, aujourd'hui, le CNAM, c'est une structure très particulière parce que c'est un grand établissement, à Paris, en zone francilienne, c'est un grand établissement d'enseignement supérieur, hein, comme les grandes écoles, comme une université, un peu plus gros, qui développe des enseignements et surtout peut se permettre d'avoir un énorme catalogue. Hein, puisque, alors actuellement, il offre un catalogue de 700, à peu près 700 formations au total. Bon, alors, dans les années 50, ce grand établissement qui au départ était francilien, pour ne pas dire parisien, a voulu s'étendre. Et pour s'étendre, il a créé un réseau. Et là, on a créé une solution assez particulière, qui est assez peu connue. On a créé des directions régionales, qui sont en fait des associations de loi 1901, qui sont entièrement autofinancé sur le marché de la formation professionnelle. Donc, on a un système à deux vitesses, où pratiquement le même service, entre guillemets, est fourni d'un côté par un système qui est fonctionnalisé, l'autre par un système qui ne l'est pas du tout, hein, qui doit payer tout. Alors, bon, ça peut être inconfortable, je ne suis pas là pour ça. C'est intéressant pour une autre raison, c'est que le système national a pu développer un énorme catalogue et qu'on peut le déployer très partiellement, en région, en fonction des demandes des gens à former, mais surtout demandes des entreprises qui peuvent nous demander de déployer une formation en local. Alors bien sûr, pour qu'elle soit déployée, il faut qu'elle soit équilibrée économiquement, mais nous avons deux outils pour cela. Nous avons un outil qui est le présentiel, c'est-à-dire enseignement classique. Nous avons aussi, depuis assez longtemps, développé, et là on est dans le domaine de l'informatique, la FOD, la formation à distance, qui elle est un moyen
de faire, puisque c'est déployé sur l'ensemble du réseau, de fournir des formations que les gens peuvent travailler chez eux en plus, parce que par rapport à l'ancien CNAM d'autrefois, qui est bien connu, où les gens étaient toujours après 10 heures du soir à faire des cours, là maintenant ils peuvent aussi en faire une partie chez eux, ça c'est intéressant aussi, il y a une tendance à avoir de la demande là-dessus. Donc cet outil de la FOA numérique est très important dans le système. Bon. Alors, pour ce qui est donc de l'informatique proprement dit, si vous allez visiter le site, vous allez trouver 185 titres donc proposés par la Normandie. Donc, une bonne partie, c'est divisé sur un certain nombre de pages, vous avez un tiers des pages qui est consacré du présentiel et le reste est de la FOD. Alors, je vais terminer sur le sujet en disant que ce qui est intéressant dans l'offre du CNAM, et ça c'est aussi une particularité, c'est qu'elle est modulaire. On vous propose des unités, bon, de 20 à 60 heures, et ces unités, on peut les demander à la carte, individuellement. Ça peut répondre à un besoin d'un apprenant. Ça peut aussi correspondre aux besoins d'un entrepreneur qui demande à ce que, avoir une qualité particulière. Mais ce système n'est pas conçu n'importe comment. Les unités sont conclues pour s'assembler comme un jeu de Lego pour faire des parcours. Ce qui fait qu'ensemble, quand vous faites un parcours d'ingénieur, vous choisissez en fait un certain nombre d'unités construites, bien sûr vous êtes conseillé en local, pour faire ce parcours, et vous pouvez avoir des licences, vous pouvez avoir des diplômes d'ingénieur, alors bien sûr c'est plus long, ça prend 5 ans, mais qui permettent d'assembler à la suite. Alors une unité d'intérêt, c'est qu'elle est d'abord elle est diplômante, parce qu'il y a un contrôle pédagogique sur le réseau qui fait que tout a la même valeur en termes de... Donc, c'est cette valeur diplômante. Et ensuite, c'est diplômant, donc c'est intéressant. Et vous êtes situé où, alors, en Normandie? Alors, en Normandie, nous avons... Alors, le CNAM lui-même, c'est 200 centres d'enseignement, plus, incluant trentaine, quarantaine de centres d'enseignement à l'étranger. Hein, il y en a au Liban, il y en a en Chine, il y en a partout. Sur 20 régions françaises. Alors, ça représente, bon, je ne vais pas le noyer dans les chiffres, ça représente 54 000 apprenants hein, au total. Donc, c'est un organisme, un réseau assez intense. En Normandie, nous avons 1600 apprenants et nous sommes localisés sur trois centres d'enseignement qui sont Rouen, enfin, le siège est à Caen, trois centres d'enseignement qui sont à Caen, Rouen et Le Havre. Et 4 ou 5 agences qui sont à Saint-Lô, Dieppe, Elbeuf, j'en oublie, mais Évreux et Vernon. Et Vernon, il ne faut pas l'oublier, puisque nous y avons nos formations d'ingénieurs hein, avec l'IUMM. Et donc justement, des partenariats avec d'autres écoles, d'autres organismes? Alors, on travaille en partenariat assez forcément, c'est-à-dire que quand un... comme on est certificateur et qu'on possède, si vous voulez, le diplôme certifié par le ministère, eh bien, on travaille souvent avec des lycées, on travaille aussi avec des centres d'apprentissage, des CFA, pour développer, avec le CFA d'Évreux, maintenant IT2I, on a développé deux diplômes d'ingénieur, par exemple, avec des lycées de la région, on développe des licences. Souvent, parce que c'est plus facile finalement pour eux, nous la licence on l'a déjà, elle est déjà prévue par le ministère, donc c'est beaucoup plus simple d'aller voir un lycée en disant voilà, si vous êtes intéressé par une licence, on peut la faire ensemble, et à ce moment-là, on fait la pédagogie ensemble, et en plus vous avez des diplômes d'État, c'est intéressant. Très bien, donc peut-être qu'on peut faire un focus, parce qu'on vient d'évoquer cette jeunesse qui découvre le numérique et qui se rend compte que l'avenir sera l'avenir du numérique et effectivement via des programmes comme Wi-Fi ou d'autres essayent d'embarquer un maximum de jeunes filles aussi. J'ai cru comprendre que justement dans le cadre du plan Un jeune, une solution, le CNAM avait lancé l'année dernière une formation Bac plus 1 justement pour rattraper des personnes peut-être en décrochage ou
qui ont fait des choix de vocation qui n'étaient pas forcément les bonnes. Oui, alors le FSS, la formation supérieure spécialisée qu'on appelle entre nous Bac+1, bon, ce n'est pas une invention du CNAM puisque ça a été créé par le ministère qui l'a projeté, mais le CNAM s'est assez vite jeté là-dessus parce qu'il a trouvé ça très intéressant. Donc au niveau national, il y en a quelques-uns qui se développent. Bon, pas pour faire un focus ici, j'en ferai un sur une formation d'informatique, donc support et conseil digital. Donc cette formation-là s'adresse à des jeunes, en fait, en gros, je dirais, par les jeunes qui ont les décrocheurs et les jeunes qui n'ont pas accroché. C'est-à-dire, il y a des jeunes qui, au-delà, bon, disons, des bacs pro, qu'on a un peu assez du lycée, et ceux-là, pour essayer de les attirer vers l'enseignement supérieur, on a créé des formations professionnalisantes en un an, en leur disant, voilà, fais l'effort quand même de venir là-dedans parce que bon, tu vas avoir un métier et derrière tu auras un emploi. Donc déjà, ça peut quand même les motiver. Et puis aussi, on a quand même dans les BTS, moins dans les IUT, mais dans les BTS, on a des gens qui décrochent. Dans les 6 premiers mois, on a un nombre non négligeable de jeunes qui ne vont pas plus loin parce que ça ne va pas, ça n'approche pas. Et ceux-là, on veut les reprendre et les remettre en selle sur un système comme ça où ils vont pouvoir être dans aller vers une professionnalisation en disant bah, t'as un horizon plus court, ce qui te permet donc tu vas pas t'engager pour 2 ans, pour 3 ans, tu vas faire quelque chose qui va être sur le terrain. Alors derrière, ces systèmes là sont adaptés avec une pédagogie un peu plus adaptée à ce genre de public, c'est-à-dire des pédagogies avec des méthodes qui ne sont pas originales puisqu'elles sont nouvelles, mais qui sont plutôt une pédagogie par projet. Une pédagogie, on les met en alternance. Ces enseignements-là, c'est 300 heures de tronc commun pour connaître l'entreprise, pour connaître l'anglais, pour connaître un peu de maths, et 300 heures de spécialisation. Sur l'informatique. Bon, là, dans le question panel, ils font du CMS pour faire du web, ils font du compte client, ça c'est pour les bases, et puis après, ils vont faire un peu apprendre le langage, la communication web, et puis aussi l'e-commerce. Donc, c'est des gens qui vont être sur quelque chose de professionnalisant au premier degré. Et ils auront aussi une pédagogie, un peu de pédagogie inverse, mais aussi une pédagogie de. J'ai déjà cité une pédagogie aussi de. Oui, moi je ne trouve pas le mot, mais peu importe. Donc, ils sont derrière, oui. Oui, non, je voulais justement demander dans quelle région, dans quelle ville est implanté ce FS. Donc, si j'ai bien compris, ça s'appelle FSS, formation. FSS, oui. FSS, formation. Formation supérieure spécialisée. Voilà. Informatique, parcours supérieur et conseil digital. Aujourd'hui, quels sont les établissements alors, qui forment. Alors, sur celui-là, sur 2 établissements. Ils sont sur l'établissement. On est en partenariat avec le lycée Flaubert à Rouen et on est en partenariat avec le lycée Rostand à Caen. Alors pour trouver ça, il y a un site qui s'appelle Ta formation en un an. Actuellement en marche, on a un autre FSS sur les constructions industrielles et on en a 2 ou 3, je participe à ce travail-là, de mise en place de nouveau sur le photovoltaïque, sur les matériaux composites. Bon, donc on investit dans ce type de formation sur bien des domaines. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de répondre rapidement à la demande d'emploi et aux offres d'emploi proposées par les entreprises, et puis de raccrocher au plus vite aussi des personnes qui étaient éloignées de l'emploi. Oui, les deux, puisque ça correspond, ça fournit aux entreprises des gens formés d'un certain niveau qui correspondent à des domaines. Le but principal, c'est effectivement de remettre dans le circuit de l'enseignement supérieur des gens qui naturellement soit le quittent trop tôt ou mal, ou n'y viennent pas. Et derrière, il y a derrière aussi l'idée que ces gens, parmi ceux qui réussiront bien, ou qui seront motivés, ou qui trouveront la motivation, continuent en BTS. Bon, derrière, il faut trouver leur accrochage pour valoriser cette année de formation, pour faire une année qui intervienne dans un BTS ou dans un cycle BTS licence pro. D'accord, donc effectivement des passerelles sont possibles pour aller plus loin. On a la passerelle comme projet dans ce genre de choses.
Ok, donc première promotion qui a démarré donc cette année, l'année dernière en septembre. Là-dessus, ça a démarré, oui. Et combien de personnes en promotion? Alors, il y a actuellement sur les deux sites, je ne sais pas comment ça se répartit, 25. 25 sur les deux sites. Pour le moment, une belle réussite. Une belle réussite, on a un bon équilibre, ça va, c'est le bon nombre minimum pour Fruit Leap et on espère que ça va augmenter. Voilà, bon, c'était une occasion aussi de faire découvrir ce nouveau parcours de formation qui va être tout nouveau. Oui, parce qu'il n'est pas encore très connu. Voilà, mais... qui est tout nouveau et peu connu et qui permet aussi de répondre rapidement aux demandes de chacun. Merci, Michel Ledoux. Je propose à Arnaud Muller qu'on reprenne l'échange avec vous. Alors, ce qui est intéressant, et effectivement, j'avais envie aussi de donner la parole à une start-up du numérique normande, de nous dire, vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? ClearUp, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que vous avez mis en place d'innovant? Effectivement, donc je peux rapidement déjà expliquer juste, ce que fait ClearUp. Excusez-moi, j'ai vraiment quelque chose d'important à dire. C'est quand même, vous êtes une start-up normande qui a levé 4 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, en mai 2021. Donc, je pense qu'on peut déjà l'applaudir parce que je pense que c'est une belle... C'est pas une fin en soi, mais effectivement, du coup, quand il y a pas mal d'ambition, il faut aussi pouvoir la financer et on est content d'avoir des partenaires qui sont capables du coup d'enclencher ça pour soutenir des projets ambitieux en Normandie. Et je prends ma casquette Normandie French Tech. L'enjeu, c'est aussi de montrer qu'on peut créer des champions du monde du numérique dans les territoires et particulièrement en Normandie. Donc effectivement, plus de licornes normandes demain, ça veut dire plus d'emplois tertiaires qualifiés, non délocalisables, dont on a besoin. Et là, aujourd'hui, on a une vraie pénurie, donc il faut aussi qu'il y ait des projets ambitieux de ce type pour... donc de type start-up, effectivement, et des financements associés pour avoir les moyens de notre ambition, justement, et transformer profondément cette réalité de l'emploi aujourd'hui. Donc, je peux peut-être revenir sur le... Mais effectivement, en fait, je ferai le lien aussi, ensuite avec ce qui a été dit précédemment, parce que c'est des sujets qui sont à aborder, en fait, sur le long terme, en fait, puisqu'une transformation ou une transition... Elle vient s'inscrire en fait dans une temporalité qui n'est pas celle d'une levée de fonds ou d'un épiphénomène. En fait, c'est une transformation durable. Et il faut être en capacité de se projeter assez loin dans l'avenir. Donc nous, en fait, ClearUp, donc ça signifie clé d'accès en fait à un écosystème data européen. Donc il y a le terme de clé, parce qu'en fait, il y a un enjeu quand on parle de la donnée, c'est la notion de confiance et la notion de sécurité. Et donc on ne peut pas partager avec l'autre si on n'est pas en confiance avec lui. Ça, c'est assez basique. Mais dans la donnée, on trouve encore beaucoup de résistance au partage parce que finalement, je ne vois pas ce que j'ai gagné ou alors je ne me sens pas suffisamment en confiance et notamment parce que je ne sais pas ce qu'on va faire de mes données à moi en tant que citoyen et notamment de plus en plus les GAFAM qui vont venir avoir une exploitation de la donnée qui se fait sans mon consentement. Donc, il y a la dimension confiance puis il y a une deuxième dimension qui est l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, des champions en matière d'analyse de données et surtout d'infrastructure de données, au niveau de l'Europe, en fait, il n'en existe pas. Il existe des solutions américaines que vous connaissez en partie. Alors, on peut parler d'Amazon avec AWS, d'Azure, etc., de cloud provider, mais des solutions réellement industrielles, il n'en existe pas. Alors, ce qui est assez intéressant, vous aviez parlé de données tout à l'heure, le projet ClearUp, en fait, il vient d'une association loi de 1901. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'étais entrepreneur. En fait, j'ai créé une première start-up et qui compte la Caisse d'épargne Normandie et BPCE maintenant parmi ses clients qui s'appelle Sagi. Et donc, qui a levé, effectivement, alors là, un peu plus encore. Et au moment du premier confinement, en fait, avec quelques experts de la donnée, on a cherché à se dire, mais comment est-ce qu'on peut venir en aide à notre pays pour faire en sorte que globalement, on pilote la gestion de la crise et du Covid autrement qu'au doigt mouillé et à l'intuition. Sachant que le parent pauvre dans la gestion de la crise, c'est le monde hospitalier. Et donc, on était tous en train d'applaudir à 20h, mais on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter notre pierre à l'édifice?
Et donc, on a créé une association loi 1901 dont je suis encore trésorier et qui est encore vivante, qui s'appelle le collectif Codata. Forcément, la réponse, elle ne pouvait être que collective. Et Magali Cordier-Jubé, qui est justement sur la partie pilotage des données chez Caisse d'Épargne Normandie, était intervenue sur des sujets de gouvernance de la donnée qui sont assez essentiels. Et puis, on a créé en fait la première association qui réunissait 70 startups, plus des fournisseurs d'infrastructures comme OVH, Dassault et d'autres. Et puis qui s'est mis à œuvrer, chacun en amenant sa pierre à l'édifice, au profit de 17 cas d'usage d'intérêt général, principalement pour aider la PHP, le SAMU et le ministère de la Santé. Vous imaginez en fait le niveau de maturité sur l'analyse des données dans les hôpitaux et dans les ministères. La maturité, elle est assez faible en fait. Le privé est en train d'opérer sa transformation, les caisses d'épargne le font, mais dans le public, en fait, on n'est pas encore à ce stade-là. Donc, il fallait qu'on vienne en aide. Et puis, on a réalisé en fait en 3 mois de temps 17 projets qui ont été. On a mené des opérations de sensibilisation d'ailleurs pour expliquer qu'en fait, il fallait absolument partager un certain nombre d'informations pour gérer la crise de manière beaucoup plus efficiente sur le terrain et limiter la casse en fait, hein, parce qu'il y avait vraiment. Et puis, on a utilisé du temps de cerveau disponible, parce qu'à ce moment-là, c'était assez atypique. On avait des ingénieurs qui étaient en chômage partiel. Sachant que les ingénieurs, et on a parlé beaucoup de difficultés à trouver des développeurs, c'est ce qu'il y a de plus rare et de plus en plus cher. Et donc là, on avait la possibilité de faire une preuve de concept. Et donc, globalement, en discutant avec les différents ministères, ils nous ont dit « mais ça, c'est très français ce que vous êtes en train de faire. C'est très social, c'est très solidaire, c'est très collectif. Simplement, nous, on a un caillou dans la chaussure, c'est qu'en fait, on n'a pas d'alternative aux géants américains aujourd'hui. Et ce qu'il faudrait, c'est que vous fassiez la même chose, mais cette fois-ci avec un enjeu qui va être commercial et industriel. Et puis, vous faites l'union fait la force, mais cette fois-ci à l'échelle, comme un Google pourrait très bien le faire. » Et donc, on a décidé de le faire avec ClearUp, justement, en reprenant en fait les différents partenaires, plutôt que de réinventer la roue. Ça, c'est un mal très français, qui est de dire « je vais réinventer, je vais faire mon truc à moi ». On s'est dit « ben non ». On va aller choisir le meilleur de ce qui existe déjà, on va le valoriser et on va apporter une proposition de valeur qui va être réellement industrielle pour des ministères et pour des acteurs du CAC 40. Et donc le premier client à nous faire confiance, c'est le ministère de la Santé. Donc aujourd'hui, on a mis en production le premier Data Hub. Donc c'est un espace de partage de données ultra sécurisé uniquement sur des solutions de droit européen. Je le dis parce que c'est une première en Europe en fait. C'est la première fois qu'on a un Data Hub qui est 100% souverain européen. Et donc, il y a 350 statisticiens de la DARES et de la DRES qui aujourd'hui produisent les statistiques autour du servicepublic.fr et toutes les informations qu'on utilise au quotidien pour gérer le Covid grâce à ClearUp. Ça, c'est notre premier client. Puis le deuxième client, en fait, c'est dans le domaine énergétique. Je ne peux pas en parler, mais vous imaginez qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des assets dans le domaine de l'énergie, et notamment côté EDF, qui sont assez sensibles. Notamment dans le domaine du nucléaire. Et donc, on va avoir des acteurs. Nous, on adresse principalement des acteurs de la santé, des acteurs qui sont extrêmement régulés, donc les services financiers, l'énergie, etc. Et on vient leur amener une solution qui permet de tout faire sans être soumis à des lois extraterritoriales américaines, ce qui est un vrai problème, surtout dans des contextes tels que nous les vivons. Alors pour revenir en fait sur le sujet du coup qui nous réunit, en fait nous ce qu'on fait c'est que effectivement on va assez vite, on a levé 4 millions, on va annoncer aussi d'autres opérations capitalistiques et puis on va annoncer surtout des très très beaux contrats avec des très gros clients puisque l'enjeu de ClearUp c'est de créer un modèle durable. Et donc on n'est pas là pour faire de la chasse à la licorne, on est là pour trouver un modèle économique qui va être suffisamment rentable pour qu'on puisse créer la valeur et la partager. Donc il faut imaginer qu'une licorne qui perd de l'argent, elle ne pourra rien partager, parce qu'en fait elle perd de l'argent et elle va sur le marché se refinancer, il est hors de question qu'elle fasse du for good. Donc nous on a l'ambition de créer suffisamment de valeur, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on aille très très vite, pour prendre cette place de première référence et premier standard européen en matière de souveraineté, de l'analyse des données, répondre à des enjeux politiques évidents dans la défense. J'étais avec la défense et l'armée, vous l'imaginez dans le contexte encore ce matin, mais comme dans plein d'enjeux, on va dire, régaliens. Et la difficulté qu'on a, c'est la guerre des talents. En fait, on appelle ça la guerre des talents chez nous. Et donc, on a réellement ouvert le premier bureau en février, donc ça fait un an. On est, sans compter du coup les sous-traitants aujourd'hui, 35, et on envisage de recruter 100 personnes dans l'année qui vient. Donc, on a des enjeux d'accès aux talents, et notamment, on va recruter les gens qui sont les plus
pénurie qu'aujourd'hui, à savoir des développeurs, ce qu'on appelle des DevOps, des data scientists, des gens qui maîtrisent très bien le cloud, et pire, la sécurité, la cybersécurité. Et en plus, comme on est une boîte un peu responsable, on veille à ce que la parité soit respectée. Et donc, alors, si je demande les acteurs de la cybersécurité en Normandie et idéalement filles, ça devient assez compliqué. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien, du coup, on en parle, on cherche des réponses, on cherche des solutions, et donc on remonte un peu la chaîne et on se dit, mais si on ne trouve pas les talents, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement à la pointe qu'on peut finalement créer massivement de l'emploi, on peut former aussi beaucoup, pas encore aujourd'hui, mais demain, avec les encadrants et les managers, on pourra former, transmettre, encadrer, prendre des alternants, des stagiaires, etc. Et on peut monter des partenariats intelligents avec des écoles. Donc la première chose qu'on ait faite de très concrète en matière justement d'employabilité et d'approche un peu responsable à l'emploi, c'est de faire un partenariat avec Zone 01, qui est une initiative à laquelle je crois énormément, parce qu'en fait, c'est basé sur une approche de la pédagogie par projet et qui exploite l'intelligence collective. Et Nicolas Sadira, qui est à l'origine de ça, et je vois Alexandre Martini et Fabien qui sont dans la salle, le savent. Aujourd'hui, on a un enjeu, c'est que les projets, tout seuls, on va jamais loin, surtout en informatique. Donc l'enjeu, c'est de créer une intelligence collective pour développer un savoir-faire en matière de développement logiciel, cybersécurité, analyse des données, et tout ça, ce sont des sports d'équipe. Et c'est nouveau, c'est-à-dire que quand on regarde l'offre de formation à date, elle ne prévoit pas nécessairement ça. Et moi, ce qui m'intéresse en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir des gens rapidement opérationnels qui vont être dans du concret avec nous. Et donc ça, c'est une manière de remonter la chaîne en se disant, bah, très bien, faisons des programmes pédagogiques concertés avec des partenaires locaux, ne faisons ça avec, entre guillemets, l'élite de la data ici en Normandie, qui est notre partenaire historique, qui est l'INSA de Rouen, et l'université sur des Bac plus 2, Bac plus 5, des masters spécialisés, et même en embarquant des scientifiques dans le lot pour avoir vraiment cette dimension excellence scientifique qui est essentielle. Mais faisons ça de manière intelligente, à destination d'autres publics, peut-être avec des parcours plus chahutés. Moi, je suis autodidacte, donc je peux en parler. Je pense que j'ai eu la chance de bénéficier d'un système français qui est hyper généreux. Donc, globalement, il y a plein de gens qui n'ont pas un parcours classique avec une éducation qui a été faite à JB, où j'ai mes filles qui ont la chance d'être à JB, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, justement, des banlieues? Qu'est-ce qu'on fait de plein de gens qui, aujourd'hui, soit sont en galère, soit se disent « mais j'aimerais faire une reconversion ». Et là, il y a un énorme terreau d'opportunités à aller adresser de ce côté-là. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire en allant aussi, quand on parle de diversité, penser à comment je vais sensibiliser plutôt dans la chaîne, dans les écoles, en fait, au collège, au lycée, avec Wi-Fi typiquement, sur un public de filles, au métier de la cybersécurité, parce que ça ne doit plus être que des gens avec un sweat noir à capuche, mais ça doit être aussi des filles qui viennent et qui ont compris qu'il y avait des sujets de mathématiques hyper passionnants en matière dans la cybersécurité et les former. Parce que si on ne remonte pas la chaîne, on est comme tous les copains, qui le vont des dizaines ou des centaines de millions, on dit, et toi, comment tu fais? Bah, moi, j'arrive pas à recruter. Ok, et qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais monter les prix. En fait, je vais les recruter plus cher, puisque de toute façon, c'est des mercenaires. Et ma seule arme en tant qu'employeur, bah, c'est de m'aligner sur les pratiques. Et donc, on a une pénurie de talents. Et en plus de ça, on a des salaires qui fait que demain, on ne pourra plus embaucher qui que ce soit en Normandie, parce que de toute façon, on sera en concurrence avec d'autres qui viennent chercher leurs talents chez nous. Donc ça, c'est un enjeu, je pense, aujourd'hui, qu'on essaye d'adresser, hein, en travaillant de manière intelligente et concertée avec les écoles, sur des programmes pédagogiques concertés. Et un truc que j'aimerais faire, c'est un de mes rêves, mais c'est quelque chose que Airbus a su faire, et du coup, en matière de référence européenne, je pense que c'est un bon truc, et qu'on doit pouvoir faire à notre échelle, qui est de créer des programmes pédagogiques où on remonte la chaîne, et en fait, on va offrir des stages très très tôt, et on embarque ensuite sur des projets collaboratifs. Ensuite, on fait des alternances, on fait des CDI, on fait des thèses, on fait des post-docs. En fait, on peut penser des programmes, en fait, des continuums de formation, et même pour des salariés, leur proposer aussi, à des salariés qui sont peut-être moins sensibilisés au numérique ou à la donnée, de venir en fait, créer en fait, ce module en fait, avec nous, et ces maillons en fait, qui font défaut pour être hyper employables. Très bien. Effectivement, c'est comment aujourd'hui faire vivre la Normandie avec des talents du numérique et les faire naître, et les faire grandir auprès d'entreprises. Et j'entends par vos différents témoignages qu'il y a de l'employabilité sur le métier du numérique. On cherche plutôt maintenant à
à encourager les gens à y venir. Plusieurs initiatives sont lancées. Je ne sais pas si quelqu'un de zone 01 est dans la salle et a envie peut-être de prendre la parole et présenter comment aujourd'hui vous accompagnez sur le... Bah, je crois que c'est des vous faites des formations de développeurs, si je ne dis pas de bêtises. Non, on va un peu plus loin. Ah, bah, allez-y. En réalité, on est donc une agence de talent et on sélectionne, on forme et on embauche en CDI avant même que la formation soit terminée, c'est-à-dire juste après la phase de sélection. En fait, Arnaud connaît bien le problème, on a un problème d'attractivité et notre manière de résoudre ce problème-là, c'est de ne pas avoir de critères à l'entrée, il faut juste avoir plus de 18 ans, c'est le premier point. Et on a des candidats qu'on a récupérés, des gamers qui ont passé 2 ou 3 ans après avoir quitté l'école dans leur canapé et qui ont des résultats extraordinaires. Et donc, on va les mettre dans un contexte qui nous permet d'évaluer leur capacité à travailler ensemble, leur niaque aussi, leur volonté et leur créativité, puisque les développeurs de demain, c'est plutôt ces compétences-là qu'ils vont avoir plutôt que des maths pures ou des choses comme ça. Et donc, une fois qu'on les a sélectionnés pendant un mois, la sélection est un peu longue et dure, puisqu'on en garde 15 sur 3. Et on en garde 15 sur 3 parce qu'en réalité, on leur fait une promesse d'embauche à la sortie de ce mois-là. Ils vont être formés pendant 2 ans et ensuite diplômés. Et là, on pourra les proposer à des entreprises comme Clairop, qui est le premier partenaire. Oui, qui est le premier. Et on devrait en former sur ce modèle-là à peu près 150 par an. Avec un certain nombre qui vont eux-mêmes créer leur start-up et on essaye de créer un univers vertueux parce que c'est en réalité un drame, c'est une pénurie silencieuse qui, quand vous êtes entrepreneur dans le bâtiment ou restaurateur et que vous n'avez pas de collaborateurs, c'est immédiat, vous en rendez compte tout de suite, vous n'acceptez pas des chantiers, vous réduisez la capacité de votre salle de restaurant. Quand vous n'avez pas un développeur, vous reportez simplement les projets. Et les entreprises, dans le cadre de leur transition numérique, sont en train de reprendre un retard considérable parce qu'en réalité, elles n'arrivent pas à enclencher des projets. Et donc, c'est, à mon avis, une grande cause. Et je suis très fier de Carnot, que je soutiens dans ces projets depuis un moment, et relancer ce projet souverain. Mais pour alimenter ça, pour que nos entreprises puissent avoir de la transition numérique et enclencher leur transition numérique, on a un besoin crucial de collaborateurs. Et il faut qu'on arrête cette idée qu'être développeur, DevOps, c'est que des maths. Malheureusement, tu l'as dit dans ton intervention, c'est dommage. Tu en as besoin aussi. Je sais que pour les data scientists, c'est des données importantes, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'on teste chez Zone 01, c'est des capacités cognitives et pas les mathématiques simplement. Et on a des jeunes qui ont échoué à l'école parce que l'école est un grand modèle qui doit amener 80% d'une classe d'âge au bac, etc. Enfin, le principe de l'école pour tous, mais elle en laisse beaucoup au bord de la route, qui en réalité ont les compétences tout à fait de suivre les formations. On vient de démarrer le 7 février, on a des succès qui sont surprenants, avec des résultats aux tests cognitifs de jeunes qui ont quitté l'école et qui ont des résultats spectaculaires. C'est spectaculaire. Et ça sera peut-être une manière aussi d'ouvrir davantage aux filles, puisque je ne sais pas si vous avez vu, mais avec la dernière réforme du bac, on a retrouvé, on est retombé plutôt dans les filles s'auto-censurent dans le choix des maths, en fait, en réalité, et on est retombé à 1994, hein, dans la proportion de filles. Donc, faites passer ce message que le développement, et on peut former en 2 ans, des gens qui arrivent à un niveau bac plus 5 parce qu'ils y passent tout leur week-end, leur 24 heures sur 24, etc. Des gens qui obtiennent un niveau très élevé et qui sont très employables. Voilà, c'est ça le projet Zone 01. Bravo. Bravo. Et vous êtes basé à Rouen, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc une belle pépite normande aussi, et merci de mettre vos activités au service de l'employabilité de la région et du décrochage, hein, et éviter au maximum des décrochages. Si je peux me permettre, oui, allez-y, parce qu'effectivement c'est une initiative qui est magnifique et à laquelle je crois énormément. Donc les maths, en fait, je parlais des maths pour la sécurité, la cybersécurité, parce que aller vendre de la cybersécurité à une petite fille qui est en troisième, qui cherche sa voie, en lui parlant de guerre,
Alors que, en fait, la cyber, en fait, c'est des maths, quoi. Et après, en fait, il n'y a pas que des maths, il y a vraiment un côté très appliqué. Et sinon, effectivement, il faut sortir, il faut au contraire péter cette croyance que l'informatique, c'est des maths, qu'il faut être brillant. Non, il faut avoir du bon sens paysan. Je crois qu'en Normandie, on en a un peu. Donc, capitalisons là-dessus, en fait. Et je voudrais juste dire une dernière chose, c'est que moi, je crois qu'il faut vraiment remonter aussi et anticiper les problèmes, en fait, plus remonter la chaîne, pas attendre d'être... je comprends pas, en fait, je m'appelle les caisses d'épargne ou Matmut, et puis j'ai personne qui postule. Bah oui, en fait, tu vis ce que nous, on vit depuis super longtemps, en fait, ce qui est une vraie pénurie, ça s'appelle le mur. Et donc, qu'est-ce que je fais? Donc, il faut remonter ça. Et en fait, ce qui est génial avec justement tous ces profils de gamers, parce que vous voyez bien avec les écrans, en fait, il y a une forme d'addiction, etc., c'est que quelque part, ils ont appris, ils ont déjà adopté toutes les techniques, les gestes, la manière de penser. Et donc, moi, je vois énormément d'enfants. Il y a codeurs, en fait, j'interviens dans le cadre de DevOps for Kids pour initier des enfants plutôt en primaire avec DevOps for Kids, et c'est les premiers qui sont du coup qui se disent mais c'est ça le métier de développeur, mais il fallait me le dire en fait, et bien sûr. Donc il faut aussi travailler beaucoup les enfants qui sont très réactifs à la gamification dans la pédagogie. On arrive à parler assez fort. 95%, j'ai regardé une étude, là, des jeunes jouent au jeu maintenant, hein, puisque ça s'est largement répandu, et on a de la chance, 51% des gamers sont des gameuses. Et j'ai vérifié l'enquête avant de vous donner le sujet, donc on a un vrai potentiel là sur ce type de profil. En réalité, il y en a plein d'autres. On va chercher aussi dans les clubs de sport, on a plein d'autres profils qui nous intéressent beaucoup. Peut-être Bastien Mestrallet a envie de compléter, puisqu'on revient à la jeunesse, hein, aux collégiens, aux lycéens. Donc, ça me fait rebondir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure. Il faut surtout pas arriver dans la question de la concurrence sur les compétences. Il faut vraiment se demander comment est-ce qu'on arrive à élargir le nombre de compétences. Et il y a deux échelons, hein. Il y a l'échelon de comment je réponds à mes besoins en recrutement aujourd'hui, et il y a comment j'anticipe mes besoins en recrutement. Ça, c'est la clé, c'est pour ça que l'insertion doit se travailler, à mon avis, toujours en parallèle de l'éducation et de l'orientation. Et ça va être clé, c'est l'anticipation des besoins. Et ensuite, pour une entreprise qui a des problématiques de recrutement, ou qui anticipe des besoins de recrutement, qui les voit arriver, il n'y a pas une solution miracle. Je pense que la solution, entre guillemets, qui peut arriver à la sortir de ce problème-là, elle lui est propre et elle va être de piocher un petit peu dans les idées de toutes les entreprises qui sont autour d'elle, puisqu'elle correspond à son écosystème, ses besoins, ses compétences, le temps qu'il faut pour les compétences d'être acquises par les futurs collaborateurs. J'aime bien reprendre cet exemple d'une entreprise du numérique dans l'Orne, qui s'appelle Subteno, qui avait des gros problématiques de recrutement. Et ils cherchaient des compétences numériques. Et alors, il a fait un choix quand même un peu radical, hein, c'est qu'il a arrêté de chercher des compétences numériques. Il a arrêté de recruter sur CV complètement. Il a mis en place une formation avec Pôle emploi qui correspondait à ce qu'il voulait, un petit peu sur le mode de brique. Et il s'est mis à recruter uniquement sur l'envie, sur l'envie en fait, voilà, sur la motivation, sur l'envie d'apprendre et de s'intégrer. Et il a mis une priorité, une petite cerise sur le gâteau, une priorité sur les jeunes ornais, pour faire garder les jeunes ornais. Et donc il mettait une priorité en fait sur les jeunes du département. Et en fait, aujourd'hui, il a toutes ses compétences, il n'a plus de problématique de recrutement, et il a beaucoup d'ornais qui, du coup, sont restés dans l'Orne et ne sont pas partis à Caen, à Rouen ou à Paris. Et donc, c'est une belle réussite qui n'est probablement pas photocopiable partout. Mais par contre, c'est des petites pistes. Et à mon avis, c'est ça. Chaque entreprise, en fait, il faut qu'elle ose simplement se poser la question, qu'est-ce que je dois péter et reconstruire dans mes problématiques de recrutement pour trouver mes solutions, en fait. C'est ça, faut oser changer, en fait. Faut oser regarder différemment le recrutement. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, envie d'interagir de... Bonjour.
J'ai une petite question en fait. Quand on parle d'employabilité, alors c'est vrai que Arnaud, on est, je redescends vraiment d'un niveau plus terre à terre par rapport à tout ce que tu nous as fait rêver et il n'y a pas de souci avec ça. En fait, le numérique, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et on parle d'employabilité. Là où il faut faire attention, peut-être, c'est ne pas mettre des gens de côté, parce qu'on met le numérique, on pousse le numérique. Et je pense notamment aux personnes malvoyantes et non-voyantes qui ont des capacités aussi extraordinaires en informatique, qui peuvent être de super développeurs. Mais par contre, si on ne pense pas à l'accessibilité de ce qu'on va construire au niveau logiciel, du coup, on les met de côté. Et donc ça, c'est une question. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'y pense pas. C'est quand même plus de 2 millions de personnes en France et ça va augmenter. Donc je pense qu'il faut vraiment arriver à réfléchir à comment on fait pour ne pas mettre de côté ces personnes-là. Ouais. Donc, effectivement, c'est un sujet totalement d'actualité. Depuis septembre 2020, la loi accessibilité a été aussi promulguée en France pour encourager l'ensemble des sites à être accessibles pour tous. Donc, il y a vraiment un sujet aujourd'hui d'accessibilité des sites, des logiciels à tous. Donc, quand on demande l'accessibilité, je pense que aussi bien ClearHub que la Caisse d'épargne Normandie et le groupe BPCE doivent se poser la question aujourd'hui de comment répondre à ces problématiques et donc avoir aussi des profils qui comprennent ces problématiques, parce que je pense que c'est aussi un des sujets et demain il y aura des amendes qui vont être mises en place à des sites internet qui ne seront pas accessibles. Donc il y a vraiment tout un plan aujourd'hui qui va, je vais le dire comme ça, qui va un peu forcer tout le monde à se mettre dans la seringue. Et je sais pas ce que vous voulez dire, peut-être. En fait, c'est triste. Mais l'arme législative, parfois, elle marche bien, en fait. Et donc, je vois, nous, en fait, notre premier client, c'était un acteur du public. Donc, tout de suite, en fait, il y a les référentiels et en matière d'homologation et de normes et standards sur l'accessibilité qui s'appliquent. Donc, en fait, de toute façon, si on n'était pas dans ces standards sur la partie exposition pour veiller à ce que l'accessibilité soit bien intégrée dans tout ce qui va être produit, en fait, pour les utilisateurs, ça ne marche pas. Et donc, moi, je crois beaucoup à ça. C'est une des forces, d'ailleurs, de la France et de l'Europe. C'est qu'à un moment donné, on légifère pour un intérêt qui est sociétal. Et donc, ça, c'est l'exemple type. Et donc, avec l'application de ces référentiels, on le voit, là, on est dans une banque. Donc, la partie compliance, en fait, qui vient s'appliquer et contraindre, c'est aussi une bonne manière de mettre tout le monde au pas. Et donc, c'est pas comme ça qu'il faudrait le lire. Je suis d'accord. Mais au moins, ça a le mérite d'obliger et de contraindre tout le monde à intégrer cette dimension-là. C'est quand même assez faible au niveau de la loi aujourd'hui. Et le problème des lois, c'est bien d'en faire, mais il y en a plein qui ne sont pas appliqués non plus. Donc il y a une vraie volonté en fait, des acteurs, et même dans les formations, c'est-à-dire comment on forme pour faire que ce soit du web ou des logiciels qui soient accessibles. Et surtout, quand on veut employer une personne malvoyante ou non-voyante, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont d'énormes compétences, ils ont un problème d'accessibilité pour travailler, mais des solutions, il y en a plein qui existent. Donc, comment on fait pour intégrer ça? Et tu parles plutôt de l'État qui va pousser vraiment sur l'accessibilité, mais il faut aussi que dans les entreprises, il y ait cette volonté, et on parle plus de volonté que de loi, parce que sinon, tous les bâtiments seraient accessibles aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans, il y a une loi, donc on sait très bien que ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une vraie volonté de faire changer les choses, et dans les formations, qu'on l'intègre tout de suite, quoi. C'est maintenant, et donc du coup, je me tourne un peu aussi de ce côté-là, parce qu'au niveau de la formation, c'est là en fait qu'on fait changer les choses. Et c'est même, et je dirais même, ça peut être un moyen de compétition après important. C'est-à-dire que là, même toutes les startups qui créent des produits, si les produits ne sont pas accessibles à un moment donné, quand on va les contraindre, ça va être compliqué, et ça peut même être, ils peuvent même perdre des marchés à un moment donné, parce que leur solution n'est pas accessible. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir aujourd'hui, que ce soit au niveau de la formation et même au niveau des entreprises, pour l'intégrer vraiment tout de suite, quoi.
Oui, moi je partage. J'ai été responsable du handicap pour le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne pendant quelques années. Donc évidemment, je partage à 100% cette préoccupation. Et vous avez raison de le dire et de vous adresser en particulier aux startups, mais aussi à tous les nouveaux développeurs qui vont réaliser des nouveaux développements. Parce que pour avoir travaillé avec nos filiales informatiques, c'est quand même extrêmement compliqué de rendre accessibles certaines fonctionnalités ou certains sites qui ont été conçus à un moment donné sans penser en fait à cette accessibilité. Donc c'est vrai que penser la diversité, c'est important. Et c'est pour ça qu'il nous faut aussi, dans les développeurs, la diversité. Donc vous avez raison, des femmes, des hommes, voilà, du multiculturel, des personnes qui sont en situation de handicap, parce que ce sont ces gens-là qui, à travers les algorithmes qu'ils vont développer, sont en train de créer aussi notre monde de demain, quoi. Donc, si on veut un monde divers, ouvert à la diversité demain, je pense qu'il faut effectivement aussi ouvrir nos formations à la diversité. Mais c'était l'objet finalement de nos échanges, hein, je pense, hein, de sortir des parcours tout faits. Hein, et comment intégrer dans ces formations des personnes différentes qui ont certainement des visions différentes du monde et qui représentent toute la diversité de notre monde en fait. Effectivement, aujourd'hui, avec toute la politique autour du numérique responsable, ça fait effectivement partie du sujet quand on parle de RSE, c'est aujourd'hui comment développer des applications responsables et donnant la chance à tous d'être reconnu et que ces applications soient utilisables et utiles pour tous. Donc ça, c'est vraiment une thématique qui n'était pas forcément évoquée aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir souligné. C'est la responsabilité aussi du numérique. Et ça fait peut-être partie aussi des choses que vous pourrez peut-être intégrer ou qui sont déjà intégrées aujourd'hui dans le programme de formation, les différents programmes de FAS Normandie, d'expliquer... aujourd'hui, comment l'éco-conception aussi de programmes dans les équipes de développement prennent en compte l'accessibilité, la diversité, les algorithmes d'intelligence artificielle font attention aussi à ce qu'elles voient et à ce qu'elles reconnaissent et à donner un sens différent à ce qui est donné. Donc, toutes ces thématiques, c'est vrai qu'on n'ont pas été forcément abordées aujourd'hui, mais font partie de l'évolution de ce numérique pour qu'il soit aussi, quand on parle de numérique responsable, on parle effectivement d'énergie et de transition écologique, mais aussi de social. Donc, c'est un vrai volant aujourd'hui qui est une belle brique RSE à développer davantage dans les entreprises aussi. Peut-être une autre question ? Oui, Mathias Dufour. Merci beaucoup pour ces témoignages qui étaient vraiment qui étaient super. On est en période électorale. Je voulais savoir si vous aviez... Et malheureusement, les sujets qu'on traite, ils ont du mal à émerger dans la campagne. Si vous aviez une recommandation pour le futur ou la future présidente de la République, ce serait quoi, chacun ? Là, je vais les voir. En fait, j'ai été invité ce matin pour écouter tous les candidats à la présidentielle pitcher leur programme sur le numérique. Je ne sais pas si Macron sera déclaré d'ici là... mais tous les autres, en tout cas, le feront. Moi, ma première recommandation, c'est de créer un ministère du numérique, en fait, puisque du coup, à l'instar du ministère de l'Environnement, à une époque, quand ça a été proposé, on disait « mais pourquoi ?», etc. Et aujourd'hui, en fait, il y a pour connaître Cédric O, qui est notre monsieur numérique en France bien et travailler depuis longtemps avec lui, il y a quand même un enjeu à un moment donné, c'est que cette filière, enfin, on l'a vu, hein, c'est une filière, ça transforme tout, c'est un gisement d'opportunités incroyable. Et on n'a pas de ministère. Donc, combien de temps on attend ? Sachant qu'a priori, il y a des investissements massifs qui sont réalisés. Premier recours, on le voit, hein, parce qu'on travaille beaucoup avec l'État, ils bricolent un peu, ils n'ont pas les moyens de leur ambition. Et donc déjà, de créer un ministère du numérique, ce serait pas mal. Moi, je vais dire quelque chose qui peut s'appliquer à d'autres domaines. Mais ce serait d'investir dans l'éducation. Voilà. On est un pays développé. Je pense qu'il faut le montrer et il faut montrer à travers les investissements que l'on fait dans l'éducation. Voilà. C'est des choix politiques. Ce serait un choix politique
courageux et dont on a besoin en France sur beaucoup de filières en fait. Alors moi ça va aller avec, avec ce que tu viens de dire Maryse, mais ce serait de continuer la dynamique qui est née avec le plan jeune sur l'apprentissage. J'ai vu en 2 ans l'évolution des mentalités et de la vision des entreprises, mais aussi des jeunes. Moi, je suis arrivé il n'y a pas si longtemps que ça dans le social, hein, ça fait 4 ans. La vision de l'apprentissage commençait à changer, mais bon, il y avait encore du boulot hein, quand j'ai démarré la création de Fast Normandie. On a fait un bond en avant, mais incroyable. Hein. À la fois pour les jeunes qui aujourd'hui vraiment souhaitent se poser la question de l'apprentissage au collège, les gens qui sont en reconversion. Moi, rien que dans mes équipes, j'ai 7 apprentis, j'en ai qui sont en reconversion, qui ont 29 ans, j'ai des jeunes qui ont 21 ans, qui sont, j'ai 7 apprentis, ils ont tous des profils différents et tous une image de l'apprentissage que moi, j'espérais pas voir aussi vite. Et je pense que là, continuer sur cette dynamique-là, ce serait peut-être le côté positif du Covid, ça aurait été ce bond en avant de l'apprentissage qu'il faut, à mon avis, continuer de renforcer. Michel, Ledoux ? Je peux confirmer sur l'apprentissage. Bon, on a pris le pli depuis longtemps au niveau du CNAM et on développe en particulier. Donc, sur les ingénieurs, on a été pendant très longtemps sur l'ingénieurat hors temps de travail où le gars travaillait le soir entre 8 et 10. Après, on a eu la faute qui a pris le bain. Et on se dirige de plus en plus. Et pratiquement 60% des ingénieurs. Bon, le CNAM a une école qui s'appelle le ICNAM, hein, qui centralise tous les CNAM, et 60% des ingénieurs aujourd'hui sont en apprentissage, hein, et en partenariat avec des CFA. Donc on est là directement branché sur les professions, parce que les CFA souvent dépendent d'une branche. Donc là, on est vraiment branché sur les besoins des professions avec un type d'enseignement adapté. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors pendant que je suis là, j'ai une dernière chose sur l'informatique. Bon, l'informatique, c'est très vague, en fait, finalement, ça va de la bureautique jusqu'à l'algorithmique, et là, on a des esprits puissants et un peu évaporés. Mais si on regarde bien la chose, il y a un problème. Bon, c'est un petit peu anecdotique, mais bon, le CNAM a organisé à un moment donné une cordée de la réussite, et là, je me suis retrouvé donc à faire un peu de tutorat avec des jeunes qui voulaient être ingénieurs. Et les ingénieurs qui voulaient être informatiques, j'ai été saisi du nombre, plus de la moitié, qui voyaient l'informatique à travers deux choses, les jeux vidéo et le cinéma vidéo. Hein. Donc c'est le mur de glace et autre truc du même genre, hein. C'est les mignons, mais c'est ça qui les motivait, quoi. Alors, leur expliquer quand même que c'est peut-être, du point de vue employabilité, c'était peut-être un segment un petit peu étroit quand même, hein, parce qu'il y a quand même assez peu de sociétés. Mais c'est assez marrant que il faudrait peut-être qu'ils perdent un effort à ce moment-là, peut-être au niveau des lycées, pour leur expliquer que l'informatique, c'est autre chose. Là, il y a de la part peut-être des entreprises, peut-être aussi des enseignants, leur expliquer que l'informatique, c'est quand même plus vaste et que l'investissement à faire, il n'est pas nécessairement dans les loisirs. Je revenais sur la réaction des gamers et des gameuses tout à l'heure. Effectivement, mais ils sont tellement avec leur petit machin. Mais bon, on est quand même. Faut quand même, au niveau des vocations, faire naître des vocations plus tôt et sur une base peut-être un peu plus solide. Parfait, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une dernière question dans le public. Ah, allez-y. Bonjour, Thomas de l'association Reconnect. Je voulais peut-être faire un focus aussi sur les gens en grande précarité, puisque là on est en 2022 et dans quelques années, voire un an, le papier c'est fini pour l'État français et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui vont être mis sur le carreau sur tout ce qui est compte Amélie, compte CAF, etc. Et le non-recours au droit en France est énorme, environ 40% des gens. Donc c'est quand même une grosse question et je sais pas quelle est votre vision de la chose sur on sait qu'il y a le plan des conseillers numériques là qui sont en train d'arriver sur les différents territoires. Est-ce que ça va suffire? Quelle est votre vision sur cette question? Merci.
Alors, c'est une question qui n'est pas facile, enfin, en tout cas, pour trouver la réponse à l'intégralité des gens qui vont se retrouver dans la situation. C'est un énorme sujet. Hein. Il y avait jusqu'à l'année dernière, des endroits, hein, des espaces numériques qu'on appelait les maisons de services aux particuliers, les MSAP, qui permettaient ça. Ils essayaient de mailler le territoire. La Poste avait mis aussi dans ses agences, et nous, on avait des médiateurs. Hein, donc, quand je parlais du premier axe, c'était dans ce cadre-là. On avait un site et un médiateur qui permettaient de faire cet accompagnement d'accès aux droits. Aujourd'hui, le dispositif il évolue vers les maisons France Services avec une présence permanente. Parce qu'il y a deux aspects de la fracture numérique. Il y a l'aspect matériel, donc déjà pour avoir des sites sur lesquels il y a du matériel à disposition pour ces accès, et puis il y a l'aspect utilisation. Donc c'est deux problèmes. Le MSAP, c'est un peu les deux. Il y avait un ordinateur à disposition et de temps en temps des médiateurs. Aujourd'hui, dans les maisons France Services, il y a deux personnes. Alors, il y en a un peu partout. Hein. Il y en a dans les bureaux de poste, il y en a dans les conseils départementaux, il y en a dans les collectivités territoriales. En fait, hein, pareil, ils essaient de mailler le territoire. Je ne sais pas si ce sera la solution. À mon avis, ce ne sera pas suffisant. Alors du coup, je vais rebondir sur ce qu'a dit l'interlocuteur juste avant, sur l'accessibilité. Ça marche sur le handicap, ça marche pour les personnes seniors. En tout cas, il y a une réflexion à avoir sur, à mon avis, comment outiller les personnes qui sont au contact des plus fragiles, donc à mon avis des publics seniors, pour qu'ils puissent, eux, les aider. C'est-à-dire que dans ces espaces numériques, c'est bien, mais il faut y aller. Donc, comment est-ce qu'on arrive à créer, dans le cadre de confiance, donner les clés aux gens qui vont dans le cadre de confiance pour qu'ils puissent les transmettre. Et à mon avis, c'est là où il va falloir aller chercher un petit peu plus loin. Donc, il y a la première étape des Maisons France Services. À mon avis, la deuxième étape, c'est ça. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, il y a encore du boulot, quoi. Et peut-être aussi sur la partie, justement, quand on évoquait le sujet du numérique responsable tout à l'heure, ça fait partie aussi du plan de recyclage. Aujourd'hui, les parcs informatiques des sociétés, qu'est-ce qu'ils en font à la fin de leur contrat on est sur des renouvellements de parcs réguliers. Donc, c'est un vrai questionnement aussi de donner une seconde vie à ces parcs pour permettre justement qu'ils soient réutilisés à des acteurs qui sont en difficulté aujourd'hui et qui n'ont pas les moyens de financer un ordinateur neuf. Donc, ça fait partie aussi des réflexions RSE qui peuvent être portées par les différents acteurs. Et après, je pense qu'aussi bien Bastien Mestralet chez FAS Normandie ou bien peut-être vous chez Reconnect seraient ravis de récupérer des ordinateurs pour ces projets-là. Voilà, un exemple aussi à la portée de tous et concret. Merci. Merci à vous. Merci à Michel Ledoux, Arnaud Muller et Bastien Mestralet et enfin Maryse Vépierre de nous avoir reçus en plus à la Caisse d'Épargne Normandie. On a été ravis de vous avoir sur cette deuxième table ronde. Je propose à Mathias Dufour, le président d'Hashtag le plus important, de conclure. Merci. Et c'est vrai qu'en plus, je ne me suis pas présentée tout à l'heure. Donc, je suis Sabine Vu et j'étais ravie d'animer ces deux tables rondes. Tu veux que je m'assoie à côté de toi, peut-être ? Bon, comme ça, tu ne restes pas tout seul. Donc, ravie d'avoir réussi à organiser ce bel événement en Normandie aux côtés de la Caisse d'Épargne, Attractivité Normandie, Badion la Normandie, le CNAM Normandie. Alors le CNAM est partenaire des États généraux en national. Et puis moi, en tant que co-organisateur, aux côtés de Hashtag le plus important, et bien sûr aussi Puzzle Maker, dont je suis la fondatrice, qui est une société de conseil en accompagnement sur justement tout ce qui est entreprise à mission, raison d'être et en particulier, je pense que vous l'avez un peu senti, tous les sujets de numérique responsable qui me tiennent à cœur de mon parcours précédent. À toi, Mathias. Juste, comme il est déjà un petit peu tard, je vais juste parler une minute et surtout pour vous remercier, en fait, parce que c'était un pari au départ d'organiser des événements en région comme ça. Donc, merci à tous de l'avoir rendu possible et surtout, merci d'avoir montré à quel point c'est utile et important.
L'idée de, ça s'appelle des états généraux de l'investissement social pour une transition écologique et numérique inclusive. Et je crois que le mot investissement social, vous en avez montré toute la pertinence, vous avez insisté sur si j'avais une priorité, ça serait investir dans l'éducation. Investir dans l'investissement social, c'est le fait de dire qu'il faut investir dans les capacités, les compétences, l'employabilité des gens. Et on voit à quel point on en a besoin pour réussir la transition écologique et numérique. Je crois que c'était un des points forts qui est ressorti des deux heures d'échange. C'est vrai dans le numérique, tout le monde se plaint du manque de talent. Inversement, on se plaint aussi de la fracture numérique. Eh bien, investir dans l'employabilité, c'est un moyen de faire face à ces deux sujets. Mais c'est vrai aussi dans la transition écologique, où il y a aussi une fracture et il y a aussi beaucoup de métiers verts qui sont en tension. Et donc là aussi, l'investissement social est une solution. Comme l'organisation des deux tables rondes était l'une sur la transition écologique, l'autre sur la transition numérique, on a moins vu le lien entre les deux. Nous, c'est un pari fort qu'on a fait de se dire il faut qu'on les traite ensemble. Il y a deux raisons principales à ça. La première, c'est qu'elles sont interdépendantes, ces deux transitions. Le numérique pèse de plus en plus, l'impact environnemental du numérique est de plus en plus important, et inversement, le numérique peut aussi être une solution à beaucoup de problèmes liés à la transition écologique, puisqu'il y a des membres de l'association Reconnaître. Je rappelle que le Reconnaître porte les badges numériques qui sont des badges de reconnaissance des compétences, et que le numérique, ça aide à reconnaître les compétences des gens et donc à répondre aux besoins, à aider les gens à trouver un boulot là où leurs compétences sont utiles, y compris sur des filières ou des métiers où on ne les attendait pas du tout. Et la deuxième raison pour laquelle on traite ensemble transition écologique et transition numérique, c'est que pour les entreprises, elles sont concernées par les deux, les travailleurs sont concernés par les deux, et que même si intellectuellement c'est distinct, on doit chacun faire face aux deux en même temps. Donc autant les traiter ensemble plutôt que des sujets numériques d'un côté, des sujets écologiques de l'autre. Le dernier point, c'était on a choisi de faire des états généraux, parce que, et je crois que vous l'avez très bien dit, monsieur, il ne suffit pas de faire des lois, il faut avoir de la volonté. Notre conviction, nous, le plus important, c'est une association qui s'est créée il y a 4 ans et demi sur l'idée de l'empowerment, développer le pouvoir d'agir des gens, renforcer leur employabilité. Je crois que on n'y arrivera pas à faire face à cette double transition écologique et numérique si chacun ne se mobilise pas à son niveau. Voilà. J'ai posé la question de qu'est-ce qu'on attend des pouvoirs publics, du président de la République, mais vous avez chacun prouvé, enfin, j'ai été vraiment époustouflé par ce que les différents intervenants ont raconté, les initiatives que vous portez, et c'est pour ça aussi on fait des états généraux, pour que tout le monde puisse s'exprimer et qu'on montre que c'est, je crois que c'est le premier intervenant qui a dit, on fait des trucs incroyables quand il y a un alignement entre les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens, c'est de ces énergies différentes qui viennent d'acteurs différents que peuvent émerger des belles solutions. Et les solutions locales, elles ont aussi, elles méritent d'être exposées et d'avoir une visibilité nationale. Et c'est pour ça qu'on fait ces événements en région. Et donc, il y aura un replay de vidéos et podcasts de l'événement d'aujourd'hui qui sera sur le site des États généraux. Voilà, donc mon dernier mot, c'est la gratitude et de la reconnaissance pour chacun d'entre vous, à la fois ceux qui sont intervenus, ceux qui ont rendu l'événement possible et ceux qui ont choisi de passer une petite partie de leur temps pour cet événement cet après-midi. Voilà, merci à tous et surtout bonne chance pour la suite de vos projets.